Pas ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec you. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 121! 121! Ouais, papa! Yes! Putain de merde! Ça va bien les boys? Yeah, ouais, damn right! Ça va, ouais. Oui, c'est sûr. Oh ouais! Tu passes une belle Saint-Jean, Jer? Ouais, et mes couilles sont rosées! Oh! C'est des codes spéciales pour la Saint-Jean? De la poudre! Ah ouais, bon, ah ouais, 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 ça, c'est... Hey, on est deux! De on est trois, les gars, come on! Yeah! Hey, t'es seul! Wout, 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 wout! Jasmine aussi! J'ai fourré un homme! Moi, tu! Yeah! Merci à tout le monde d'écouter. On va remercier Patreon. Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Villot, Pierre-Luc Paget, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bonneau, Terrien, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribault, Mathieu Bélanger, Nathalie Soulard-Lesage, Sam Bombardier, Sam Francoeur, Yves Les Tourneaux. Yes! Ben, merci. Pas bah, Sam Francoeur! Sam Francoeur, ouais. Sam Francoeur. Ah oui. Ben, tabarnak. C'est le frère de Danny Jacob. Ben non, c'est mon dealer. Ah ouais? Ben non. C'est lui qui m'a vendu ma poudre. Oh, il y en a de la calice, ça, là. Il m'a scrappé trois jours dans ma semaine, cet astille-là. Quand il t'a fourré? Ouais. Chris, essaye d'aller chier après, man. Ça fait mal, astille. On dirait que tu chies des lames. Je veux même pas m'en retenir. Ben ouais. Et couler dans les shorts. Tabarnak. Non, c'était pas le fun. Des astilles de grumeaux dans les bobettes. Il n'y a rien de fun là-dedans, là. All right, on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Yes, salut tout le monde. Salut. Ouais. Très content d'avoir de retour avec nous cette semaine. Monsieur Gerrale. Yo, c'est quoi ça, man? Yo, les potes gangsters, yo, t'entends? Yeah. Puis notre animateur aussi, Marc-Olivier Lalonde. Oh! Salut. Yeah! Je savais pas ton nom, c'était Marc-Olivier. Ouais, il y a beaucoup de monde qui savent pas. Parce que même sur Facebook, il est marqué Marco. Ah, c'est ça ne va pas bien, Marc-Olivier. Non, hein? J'ai plus une phase de. Marco, ça, festif, ça te va Marco, bien. Hein? Ouais, Marc-Olivier, ça fait pas tatou, tu sais. Je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est la petite génération des années, les années 90, des astuces non composées, là. Ah, OK. Ouais. Ben, moi, je sais pas, on dirait que ma mère, elle aimait ça, les noms cute. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait cute, Jérémy. C'est beau, Jérémy, moi, je trouve. Mais pas pour un adulte. Un adulte, je trouve, c'est le fun jusqu'à être pré-ado. Puis après ça, ça fait un peu... Un peu moumoune. Tu vois, j'ai eu la même réflexion quand j'étais jeune avec le nom Marc-Olivier. C'est pour ça qu'à un moment donné, le monde a commencé à m'appeler Marco, puis j'ai juste gardé Marco. Ouais. Mais, ouais. Moi, j'étais supposé de me faire appeler Rémi. Rémi. Fait que c'était soit Jérémy ou Rémi. Tabarnak. Ben, Rémi, ça t'aurait bien été aussi, je pense. Ouais. Non, c'est très laid aussi, Rémi. Ça allait t'appeler Rim. Non, moi, ça passe pas. Il y a des noms qui sont laids, mais avec, mettons, avec la personne, on dirait des fois, ça fit. Ouais. Moi, j'aurais dû me faire appeler James. James Hatfield. Il y a un chum à Jeff qui s'appelle Kirk. Kirk, hein, comme Kirk Cobain, non? Hein. Kirk, K-I-R-K, genre. Comme Kirk dans Star Trek. Comme Kirk Hammett. Ah, OK. Ouais. C'est malade, man. Kirk. Nice, comme nom, Kirk. Ouais. Donc, il doit avoir un nom de famille super québécois. Mais ça fait enfant pas désiré, par exemple, on dirait. Ouais, Kirk. Tu trouves qu'ils ont botché le nom? Ben, Kirk. Si Kirk écoute, est-ce que tes parents t'aiment pas? Non. Gars-là, t'es assez vieux, il faut vouloir que tu le saches. Pas le que, en sujet d'intro cette semaine. Ça serait drôle qu'il fait « Mais comment ils ont fait pour le savoir? » Mes parents même, je pense. C'est moi et ton père, Kirk. J'ai fourré ta mère quand j'avais 2 ans. Ouais. C'est un viol, mais c'est pas grave. Tabarnak. C'est pas moi qui ai été pénétré, fait que ça compte pas. Yo, c'est quoi ça, man? Fait qu'en sujet d'intro cette semaine, j'ai des faits qui sont déroulés à Clearwater Beach, en Floride, aux États-Unis. Oh. Serena Wolf, 24 ans, a voulu se venger de son petit ami après une dispute. Fait que dans le fond, elle a décidé d'aller dans un bar. Non, c'est un restaurant, ouais. Puis elle est allée avec sa carte de crédit. Elle était allée avec sa carte bancaire, en fait. Elle avait un bill de 55 et 37, puis elle a décidé de laisser 5 000 $ de tip au gars. Ah! Ben non! Oui. Elle a laissé 5 000 $ de tip sur une facture de 55 $. Puis ça, c'était sur la carte de crédit de l'autre? Ouais, c'est sa carte bancaire de son chum. Ah ouais! Ben Chris, en même temps, c'est un coup chien, mais généreux. Oh, hey, le gars devait te chier dans ses culottes, 5 000 $. Non, mais tu sais, ben, c'est le fun des filles de même. Tu sais, elle aurait pu aller crever ses tailleux.
aller scraper son char, marqué « fuck you ». Ça a coûté moins cher que 5 000 $ Pareil, il y a une paire de tailleurs. Ouais, mais là, au moins, elle a fait un heureux là-dedans. Ouais, c'est sûr. C'est, ah, c'est sûr. C'est vrai, tu vois ça de la bonne manière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, en tout cas, ça a l'air que le gars, dans le fond, il s'est tourné vers elle pour lui demander c'était quoi qui arrivait. Puis elle a nié les faits. Fait que puis dans le fond, il a signalé que c'était une fraude auprès de sa banque. Puis il était trop tard. Le restaurant lui a fait savoir que le serveur avait déjà encaissé le 5 000 $ Fait que le jeune homme ayant porté plainte, sa petite amie a été interpellée puis reconnu les faits en garde à vue. Fait que fait que c'est pas fait rembourser, le gars? Non. Oh, ouais. non, mais quelle est cette pute, pareil, tu te pognes avec ta blonde, puis elle te vole le 5 000 $ Mais pour vrai, là. Il y a peut-être une sélection qui s'est pas faite à la base, cette fois, là. Mais c'était pas ça le tromper. Tant qu'à moi, il y a sûrement eu des signes avant. Ben, c'est ça. Ouais, mais tu sais, rendu là, si t'haïs quelqu'un au point de faire ça, je veux dire, laisse-les. Ben oui, ça, c'est des personnes normales qui font ça, mais si on n'en parle pas, c'est pas intéressant. Moi, je l'aime. Deuxième raison pourquoi je l'aime, Chris, on parle d'elle en ce moment. Elle nous crée de la job. C'est vrai. Oui, merci. En plus, check. Elle est un peu grosse. En plus, elle a vraiment une face de je me suis je l'ai fait, ouais. J'ai fait ça. Ah, fait que même. Chris, la fille était même pas fucking damn hot. Non. Tu sais, fucking damn hot, tu fais au moins j'ai couché avec une fille fucking chic. Ouais. C'est ton pénis t'en remercie. Oh, Jasmine qui nous rejoint! Oh! Yeah! Ouais! Ouais! Ben, je vais te donner ce. Tu veux-tu changer? À la fin, check, je vais te donner ce micro-là, Jerry. Ben oui! Ce micro-là, je vais m'arranger. Comment ça va, Jasmine? Ça va bien, vous? Ouais, ça va bien. Hey, est-ce que tu parles pas fort? Ouais, mais si tu peux t'en un peu vers Jerry, sinon, je pense pas qu'on te voit. Juste pour faire un petit test. Ah ouais! Ah yes. Ouais, colle-toi. Colle-toi. Tiens, Jas, parle dans le micro. Tu peux parler franc dedans. N'aie pas peur de te rapprocher. Moi qui parle fort. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, là. N'aie pas peur. Okay. Moi, le booster un petit peu. Bonne manche. Jasmine Gauthier, mesdames et messieurs. Ouais. Fait que là, tu nous as préparé une chronique, comme tu oui, m'as dit. C'est ça. Non. Mais ça tombe bien parce que justement, on avait. Caution de 2000 $ Vas-y, Phil. Yes! OK, ben j'ai fait un petit jeu. Fait que là, on va être trois en plus pour jouer. Ça va être magnifique. Le jeu que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est le jeu... Tu fais pas son micro pour micer ton ordi? Non, c'est bon. Je vais le micer avec mon propre micro. D'ailleurs, je vais le... Je vais le micer avec ma queue. Avec ma queue, ouais! Avec ma queue! le jeu que j'ai pour vous cette semaine, c'est « Connais-tu ta gay porn? » Fait que ce qu'on va faire... Ben non! C'est que j'ai préparé des extraits audio, OK? Puis là, vous devez me dire... Dans le fond, il va y avoir un point par bonne réponse si vous me dites si c'est de la gay porn ou pas. Puis il y a un point de plus si jamais c'est pas de la gay porn puis que la personne qui a répondu est capable de me dire c'est quoi, en fait, la vraie affaire. La catégorie, genre? Genre, ben, ou, mettons... Ou mettons de la scène, mettons, genre? je te fais écouter un truc, mais c'est pas de la gay porn. OK. Ben, t'auras le droit de dire « Ah, ben, c'est pas de la gay porn », puis là, t'auras raison. Puis tu vas juste pouvoir dire « Ah, ben... » Deviner c'est quoi de plus. Fait que ça va donner un point de plus. Ah, c'est mal, avec ton micro dans les mains direct, t'as l'air de Bob Barker. C'est The Price is Right. Hey, come on down for next contestant. The Gay is Right. The Gay is Right. Avez-vous vu le documentaire sur Netflix? C'était un dude, genre, qui était fucking autiste de The Price is Right puis il connaissait tous les prix par cœur. Ouais, je l'ai vu. Ah, ouais? Il faisait rien que tout le temps, genre, le donner. Ils ont des super pouvoirs, les autistes. Ah, ouais. Ouais. Mais genre, le gars, en plus, il participait pas. Il faisait une donnée les montants au monde qui participait. Ah, mais il essayait de participer, par exemple. Ouais, c'est vrai, il essayait de participer. Ouais. Ouais. Okay. Un peu de sérieux. Salle, puis il l'appelait pas en avant. OK, c'est vrai. Je pensais que c'était un... Ouais. Juste... Puis d'ailleurs, si la personne n'a pas la bonne réponse pour qu'est-ce que c'était, finalement, le vidéo, ben, je vais donner un droit de réplique à quelqu'un. Fait qu'il y a une personne qui va pouvoir répondre. Fait que la manière de fonctionner, c'est facile. Si vous avez la bonne réponse, vous faites... Parce que c'est en l'honneur de M. Pierre Castonguay. À cette heure, on crie Pierre. T'sais, au Pierre. Lieu d'avoir un buzzer, c'est le buzzer, c'est Pierre. C'est Pierre qu'on Pierre. Dit. Fait que on a décidé ça dans le truck l'autre fois. Ah! Parfait. C'est-tu comme dans... Ouais, c'est vrai. J'avais pas bonjour, Pierre. Ça. Salut, Pierre. Pierre. Ouais. Oh, c'est sacré Pierre. Il est encore pas là. Je suppose que Pierre non plus, il est pas. Toujours. Et non, toujours avec ce Pierre. Parfait, je vais commencer avec... Regardez ma femme, elle est belle, hein? Oui. Je vais commencer avec le premier extrait. Fait que je vais vous le faire entendre. Vous me dites si c'est de la gay porn ou si ça n'en est pas. Gay... Squeeze those things. Du tout? Chris.
Tabarnak, OK. Pas grand-chose. C'est une prémisse de film de porn. Hein? Ben ouais. Non. Il faut que tu dis Pierre avant. Pierre, non. Toi, tu l'as dit avant. Moi, je dis que c'est de la gay porn. Eh bien, c'est faux. Fuck. Ce n'est pas de la gay porn. Oui, mais je donne une opportunité à quelqu'un qui va crier Pierre de savoir c'était quoi. Pierre, c'est-tu le gros black qui pleure? Non, c'est pas ça non plus. En fait, le vidéo, ouais, je pensais que c'était ça. Le vidéo entier, c'était un vidéo de training de pre-season de lutte amateur. OK, mais juste fait que ce n'était pas de la gay porn. Fait que personne quand tu nous tiens, okay. Philippe. Le monde faut glisser des affaires sur le sol. Voilà, fait que c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que quand c'est pas de la gay porn, ça peut être n'importe quoi. Exact. Dans le fond, si t'as la bonne réponse puisque c'est pas de la gay porn, par exemple, ben, tu vas avoir un point, mais tu vas avoir aussi le choix de découvrir c'était quoi exactement. Fait que là, on va y aller avec le prochain, OK? Le prochain, attends une minute. OK. Pierre, non. Oh, bonne réponse, un point pour Marco. J'ai essayé de trouver des affaires, mais il fallait être créatif, OK? Okay, vous êtes vraiment créatif. T'as le droit de dire c'était quoi. Non, mais je donne un droit de réponse à un de vous deux si vous voulez essayer de deviner c'est quoi pour un point. Dunkirk. Non, c'était pas ça. En fait, c'était... Ce que c'était, c'était Harry Potter qui se bat avec Voldemort. Ben là, c'est clairement de la gay porn. Fait que non, c'était pas ça, malheureusement. OK, fait qu'on va aller au numéro 4. OK, pour le numéro 4, est-ce que c'est de la gay porn ou est-ce que ce n'est pas de la gay porn? OK. Pierre. Oui. Oui! Ouais! Je me suis crossé là-dessus en m'en venant ici. T'es pas allé dans le trafic. Ah oh ouais, c'est de la gay porn. C'est bel et bien ce que c'était. C'est When Harry Met Sally. Ah ouais. OK, fait que on va aller. On va aller ça, avec... je pense, c'est The Man of My Life, c'est tout ça. On va y aller avec la prochaine. Thanks, bro. On va y aller avec la prochaine. La brochette humaine. Est-ce que c'est de la gay porn ou est-ce que ce n'est pas de la gay porn? Pierre, c'est de la gay porn. Non, ce n'est pas de la gay porn, mais je vous donne une chance de savoir c'était quoi. Pierre, Batman 3. Non. Pierre, Batman 4. Non, mais ça commençait par B, puis c'était Brokeback Mountain. Fait que honnêtement, j'y avais pensé tout à l'heure. Je me dis, son... c'est sûr qu'il va le plugger au moins. Ah oui, c'est une histoire de peine. Ah ouais. Oh non! J'y ai pas pensé, mais c'est tellement malade. Si j'aurais dû faire ça. Gardez pour la semaine prochaine. Calice! Oh. Ouais. OK, ben je vais y aller avec un autre. Est-ce que c'est de la gay porn ou pas? OK. What the fuck? OK, ça n'a pas marché. Pierre, c'est pas de la gay porn. Non, ce n'est pas de la gay porn. Ça n'est pas de la gay porn. Non, ça n'en est pas. Fait c'est jamais de la gay porn. Non, tout s'en va pas, ça s'en vient. Oui, donc, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est sûrement un film. Celle-là, tu ne le trouveras probablement pas, là, en fait. C'est-tu un film? Non, ce n'est pas un film. Oh. Pierre, oui. Moi, je dis que c'est Sauvons le soldat Ryan. Non, en fait, ce que c'était Shaquille O'Neal qui mange des ailes de poulet fortes. J'ai pas parlé. C'est Shaquille O'Neal à Hot Ones. Non, malheureusement. Ah, ouais, le genre de podcast. Ouais, parce que ils ont eu Bill Burr là-dessus. Ouais, mais ils ont eu fucking plein de gros noms. Ouais, ah, ouais. Tu as écouté ça? Ouais. 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 Bon, le gars, c'est vraiment un esti de bon intervieweur. En ben, moi, c'est vraiment celle avec Bill Burr, j'ai écouté. Ouais, là. C'est ça que t'as écouté? Ouais, c'est le seul. Avec Eric Andre, je sais pas si tu connais. Mmh. Man, il joue bah, vous autres, vous voulez triper dessus. Tête, ouais. Crie, where the fuck you at, Shake Shana? Je vais y aller avec le prochain. C'est l'avant-dernier. Dites-moi si c'est de la gay porn ou si ça n'en est pas. Pierre, non. Non, ce n'est pas de la gay porn. Et qu'est-ce que c'est, Marco? Toy Story 2. Non, ce n'est pas Toy Story 2 non plus. Je vous donne une droit de réplique à un de vous deux. De la porn hétéro. Non, malheureusement, c'était une tortue qui orgasme. Oh! Oh, mon Dieu! Hey, honnêtement, j'aurais dû le savoir. Ben, tu dois être malade, il orgasme pendant genre au pire une demi-heure. Sur une sandale, hein? Non, il faudrait une autre tortue sur celle-là.
Ouais. Ça m'a amené, il y a une vidéo où il y a une tortue qui fourre une Crocs, une sandale ouais, Crocs, ouais, ouais, ouais. Parce qu'il pense que c'est une autre tortue. Puis comme, elle est totalement... Ça, les tortues, ils orgasment pendant longtemps? Ben, je sais pas, mais là, visiblement, si elle orgasmait aussi longtemps, c'est plus qu'un être humain. Ben, un gars, en tout cas. Je sais pas, il faudrait qu'on aille Steve Irwin pour nous aider. Oui. Hey, on va y aller avec... Hey, on le dessus, ce calice-là. D'ailleurs, j'avais dit que c'était l'avant-dernier. Je me suis trompé. Celui-là, ici, c'est l'avant-dernier. Fait que vous allez juste me dire si c'est de la gay porn ou si ça n'en est pas, OK? Pierre. Ouais. Yes! Bravo, ouais! Dieu! Tu prends la tête! Asti, ben pas le temps. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? T'es premier. T'as un point d'avance sur tout le monde. Je vais y aller avec la dernière question, OK? La dernière question, celle-là, est-ce que c'est de la gay porn ou est-ce que ça n'est pas? Pierre, non. Non, ça n'en est pas. Qu'est-ce que c'est? Une affaire de construction, ça doit être ça. Ouais. Une affaire de construction. Ça n'en est pas, mais doigt de réplique. De l'entraînement? Une affaire de plomberie? Non. En fait, ce que c'était... Un livreur de pizza! Un électricien! C'était... Je vais donner un point à Jas parce que c'est d'une affaire d'entraînement, mais c'est... Oh, shit! Mais c'est Danny Jacob qui fesse dans Danny un sac. Danny ouais. Jacob! Danny Jacob! OK, fait que... Il y a deux... Vous avez... Danny Jacob! Ouais! Danny Jacob! Il y a deux gagnants cette semaine, OK? Puis là, je vais juste aller chercher votre surprise, OK? C'est un gros crise de dildo. Je suis contente parce que Phil a utilisé mon ordi pour mettre toutes ses vidéos fuckées puis gay porn. Plein de choses. Ouais, c'est un goût de checker de la gay porn. Seul. Ben, en même temps, c'est pas si grave que ça. Vu que t'es déjà non. En couple, c'est pas grave. Mais non. Tu sais, c'est maintenant, tu genre la personne que tu tripes dessus, puis là, t'arrives pour y montrer de quoi avec ton ordi, tu sais, toutes ces vidéos-là qu'elle fait. Les gagnants, vous me calez un cold shot chaque. Yeah! Yes! Mais là, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça dehors ou... On peut le faire avec ça dehors. Suivez-moi. Ouais, mais là... La caméra dehors, genre? Non. Juste le micro. Attends une minute. OK. Yes! On va faire une semaine... Comme la semaine verte, on s'en va dehors. Sur la terrasse, toutes les amis. Ouais! OK. Oui, il faut que tu perces avec une clé. OK, OK. Attends une minute, je vais pogner un autre micro. Le fil est pas assez long. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est... Ben non. OK, OK. On est dehors. Parfait. Oui, j'ai une clé juste ici. C'est quoi ta perce? Ouais, ta perce, tu l'ouvres puis tu bois dans le trou que t'as percé. Ah ouais, c'est ouais. Ça. Mais faites juste vous éloigner de moi. Ah, ouais, OK, ouais. Yes! Parfait. Marco, t'as-tu une autre... Oh! Et Jer commence, il prend la... Oh, 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 non, c'est dans le trou. Jer prend... Comment tu te sens, Jer? Pendant qu'il boit. C'est sûr que je vais en mettre partout. Yes, il dit... J'appelle... T'as mettre dessus puis clac avec ton... Avec ton pouce. Tu sais, tu t'as même... Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mal lavé. Et c'est parti! Jasmine, hold me. Puis comment on sent, Jasmine? On voit que ça a fait effet. Bon, ben, beau boulot, les amis, c'était un autre jeu. Désolé pour ta manette. C'est pas grave, je vais aller la tremper dans le riz, hein? Fait que. Yes! Tu mets ça dans le vagin d'une grand-mère. Oh, OK, dans le vagin d'une grand-mère. C'est ça que ça attire l'humidité. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Crème, ben, on a fait d'autres heureux cette semaine, esti. Du monde qui cale des cold shots à plus 32 dehors, esti. Yes! Bon, ben là, je suis seul autour de la table. Fait que faut que je peux mettre le restant de la gay porn pendant qu'on fait ça, là. Attendez une petite minute. Attends, je vais mettre l'autre qui est plus explicite un peu, là. Du plaisir.
C'est bien tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Du plaisir. Attends une petite seconde, là, ça load. OK. Tu avais dû me voir à la sac. Je chantais ça dans ma tête, puis je souriais à tout le monde. Non, ça veut. J'ai juste vu un gars qui suçait une graine dans un glory hole sur ton écran. Oh, excuse-moi, Dieu. C'est stylé. Moi, en plus, au début, j'étais comme ben là. Il n'y avait pas besoin de place. Il met vraiment sa graine. Ah oui! Là, ça. Non, ça veut pas. Ben, en tout cas, tout le monde est autour de la table. Fait que je vais juste redonner le micro à Jeff. Oh yes! Mais ça, on en parlait plus. C'est mon micro, t'as pris? Ben, c'est parce que le fil était plus long. Ouais. Sorry, je pense que les clés vont être carrés. Wow! Tu le vois qui dit en faisant. Ouais, ça me fait quand même de quoi? Je ne laisserai pas paraître pendant le podcast. Ouais. Mais... sinon, on en parle un peu de Toto. T'as-tu fait honneur à ton nom à Saint-Jean? T'as-tu l'as-tu. Ah oui, OK. Non, non. Honnêtement. Ça a été tranquille. Ouais. Ben, j'ai pas fait de blackout, mais j'étais calissement sous. Là, ouais, mais ouais. Non, c'est parce que moi, il y a vraiment une année où que, la photo est dans le calendrier. Puis je suis vraiment. Genre, honnêtement, j'ai passé. Tu sais, on en rit parce que c'est pas arrivé. Là. Mais, dude, j'ai vraiment rasé proche de faire un coma éthylique, là, genre de. Être proche de plus me réveiller. Là, ouais, ouais. Là. Fait que. Au moins ça, j'ai pas fait ça cette année. Là. Puis aussi, qu'est-ce qui est plate, c'est que des fois, c'est que le lendemain, je suis tellement fini que je passe la journée à dormir puis je profite de rien. Ouais, c'est pour ça que, tu sais, là, je me saoule comme dans le bon vieux temps et non. C'est le gros calice du brun sale. Ben nous, être au-dessus d'une manée, c'est le fun avec le show. Moi, j'adore ça. Ouais. Là, mais genre, tu sais, une manée, quand t'es rendu sous mort, puis genre, t'as de la misère à marcher, puis t'es même plus fonctionnel, tu deviens juste genre un fardeau pour le monde qui t'entoure. Faut qu'il te traîne. Mais tu sais, ouais, mais honnêtement, t'as raison. Mais moi, est-ce avec ma gang de chums, je deviens le centre d'attraction, là, tu sais. Ah ouais, ouais. Oh, le centre d'attraction, le centre d'attention. Le centre de gravité. J'ai compris ce que tu dis. Je catch pas, qu'est-ce qui se passe? Tout ça tire vers moi comme j'étais le soleil. C'est pour ça que j'étais content d'être capable de toffer cette année. Là. Puis aussi, cette année, j'ai recommencé à fumer pour la Saint-Jean. Oh oui! Ah oui! La clope? Ouais, mais j'ai acheté un pack de smoke, j'étais bien content. Ah oh, ouais? Des fumées dans la soirée. C'est fun. Tu n'as pas recommencé à fumer après? Des fois, je refume. Honnêtement, il y a tellement de styles d'annonces d'arrêter de fumer que je recommence à fumer. Comme ça. Tu fumes pour ton bit, si tu veux. Non, c'est pas à cause du gag que je faisais. Okay. C'est vraiment, j'ai tout le temps trouvé ça nice, fumer. Puis, mais tu sais, je fume fucking pas souvent. Ouais. Tu sais, genre, je fume peut-être une smoke par semaine. Puis là, c'est si on le compte par semaine, tu sais. Attends, je vais te tester. Ouais. Comment ça se fait? Personne peut fumer dedans ici, mais si tu fumes, tu peux fumer dedans. Non, ouais. Là. M'a fumé par mon urètre. Il y a une cigarette dans le trou de pénis. Ouais. Yes! Est-ce que ça serait malade, voir. T'as-tu fumé du weed? Non, pas vraiment. Dernière fois, on est fumé, c'était avec toi ici. Ah, je fume pas. Je bat trip tout le temps à chaque fois. Il y a les edibles, mais honnêtement, moi, depuis que j'ai bat trippé ces speeds, je fais rien des crises d'anxiété. Est-ce que tu t'avais exactement? Genre, t'as fait une psychose, genre? Ouais, on peut dire. Ouais. Je sais pas si c'est une psychose parce qu'il n'y a pas eu de médecin qui m'a analysé. Ouais. Tu sais, ça reste quand même moi qui, avec mes informations de Wikipédia, comme médecin de garage. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais honnêtement, sacrément, man, j'ai. Je l'ai échappé raide là-dessus. Puis j'en ai fait plusieurs, genre, tu sais, comme. Ah ouais, ça fait plusieurs fois. Ouais, genre, comme au moins 4 fois, là, facile. Fait que. Dans le même genre, laps de temps, mettons. Genre, mais pas dans le même laps de temps, mais dans le même été, tu sais, on peut dire. Ouais. Fait que. Puis, tu sais, moi, je faisais ça parce que je me disais, je vais être avec mes chums. Puis, honnêtement, tu te dis, c'est vrai qu'il y a une mauvaise passe, m'en revenais correct. Mais honnêtement,
ça te fuck à vie, ces affaires-là. Ah, ouais. Ah, c'est clair. Ah ouais, ça... C'est chimique en esti. Ouais. Ben, c'est que c'est des psychotropes, on dirait. Ouais. Tu sais, ça te rentre dans la tête, là. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais l'impression que j'étais pour être de même à vie. Tu sais, j'entendais des voix dans ma tête, tout le monde était contre moi. OK, lui, il m'aime aussi, mais... C'est ça, le paranoïa. Mais je devenais fou là-dessus, man. Fait que... Ah, c'est ça, j'ai arrêté d'en faire. Moi, j'en ai acheté pour asseoir mon chum au enfant. La dernière fois que j'en ai fait, c'était genre l'enterrement de vie de garçon d'un... Ah non, c'est pas la dernière fois, excuse-moi. C'était pas la dernière fois, mais l'avant-dernière. Puis, depuis qu'il écoute de la gay porn, là, il est tout pareil. Hey! C'est rendu problématique. Je suis pas fou, tabarnak. J'aime juste ça, des beaux hommes. Pour partir pour aller checker de la gay porn. C'est bon, bro, back mountain, OK? Non, tu sais, ben ça, j'avais fait genre du speed toute une fin de semaine de temps, mais genre comme non-stop. Puis genre rendu au dernier jour, quand j'en ai fait, là, j'ai été me coucher, là, je me suis claqué une attaque de panique incroyable. Ah ouais. Genre, je me suis levé, je me suis mis de l'eau dans la face, je me suis crossé, ça n'a pas marché. T'as réussi à bander? Ouais. Moi, avec mes chums, c'était comme le problème qu'on s'en parlait le plus, c'est que quand on était ben gelé, on avait toute une fucking petite queue. Ah oui, on ouais, avait, ça, c'est on avait de la misère à pisser, genre. En général, c'est le même aussi. Là, la théorie de mon chum, c'est qu'on avait de la misère à pisser tellement que notre queue était petite. Ça répétissait le... C'est quasiment comme si ton corps avait des frissons, comme si ton corps était nerveux, puis ça fait après le même effet, quasiment comme si t'étais dans la piscine, genre, puis que l'eau était froide. C'est vrai. T'as les gosses qui rentrent, puis t'as la graine qui rentre. Ah ouais, le scrotum qui... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais tellement vieux, regardé ma graine, j'ai comme Chris, on dirait que j'ai mon pénis de quand j'avais 9 ans. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à te crosser, t'as juste tes gosses qui rentrent dans ton corps, genre, quand tu viens de. Tu sais pas, ça a déjà arrivé, là. Tu sais, tes gosses qui veulent rentrer, là. Genre par en haut, genre. Ouais, c'est tout le temps astique. Moi, à chaque fois, moi, je sais que ça reste pas pogné, mais à chaque fois, j'étais un peu en panique. Je suis comme. Puis je pèse, puis là, c'est comme. Ah, ok. J'ai un de mes chums à m'emmener que, tu sais, comme les couilles, de la façon que c'est fait, tu sais, avec les. Tu sais, t'as comme les bases, puis comme les Canaux, mettons. Ouais, les canaux. Puis ça se peut d'un fois que ça arrive, que ça twist, puis ça fait un nœud en dedans. J'ai un de mes chums, c'est extrêmement rare, mais j'ai un de mes chums à qui c'est arrivé. Puis, il a fallu qu'il s'efface. Qu'il se fasse détwister, genre? Détwister, ou... ouais. Ah, je pense au début castré, je suis comme... Le scrotum devient noir. Non, c'est ça, la gangrène est... C'est à ce moment-là, il est devenu un châssis à moi. C'est-tu que c'est laid, en plus, des fucking choses? Ah, c'est drôle. On l'appelle toute bad girl. C'est drôle. Je comprends pourquoi ça se vend aussi cher, des fucking choses, à moi. Je trouve ça fucking laid, pour vrai. Je sais pas si je suis le seul, là. Les chats, c'est moi, c'est sûr qui n'ont pas de peau. Ouais, comme le chat de Dr. Terreur, mettons. Mais dude, il y a bien des affaires qui sont calissement laid que les riches aiment. Ouais. Tu sais, il y a des affaires, man, c'est comme cher, beau, cher, beau. Puis m'amener, c'est comme genre, ils veulent topper. C'est semi-riche. Ouais, c'est semi-riche, là, genre. Fait que là, il achète de quoi de calissement laid, mais qui est calissement cher. Ouais, c'est même plus un statut quasiment que la chine. Ouais, c'est comme, tu sais, mettons, t'as des humoristes qui font des gags, puis là, t'as des humoristes qui font de l'anti-gag, puis là, c'est comme genre... Il y en a d'autres qui font du drum sur le lac. C'est ça, c'est genre du troisième degré de riche, de riche, tu sais. Ouais, non. Man, la mode, c'est là en tabarnak, là, ça, là. Ouais. Christiane, elle ressemblait à un esti de chandelier, là, quoi. Je trouve ça un peu, sa mode revient aux années 90, un peu, tu sais, quand tu te promènes, mettons, sur le plateau. Ouais. Là, quand on travaille sur le camion, des fois, Phil, on jouait à trouver, mettons, le casting de Radio Enfer, genre. Ou de Watatata. Ouais. On a trouvé, tu sais, Guy Jodoin, je me rappelle son personnage, les gens de Fendant avec une petite couette. On a trouvé un gars qui était pareil, mon gars. Ah ouais, c'est eux, il avait son livre, mais il marchait avec son livre sous l'aisselle. C'est malade. Je trouve ça tellement laid, ce style-là. Je pensais pas être assez vieux pour revoir venir une mode. Ben, moi, j'aime ça le pire. Moi, ça me dérange pas, ce style-là. J'aime quand ça revient dans le temps. Hey! Calisse! Arrêtez de rire! Hey, moi, l'affaire des sacs bananes, j'accache pas là, celle-là. Là. Oh, wow! Hey, dude, c'est laid en tabarnak. Puis, est-ce qu'il se pense cool, là, tu sais? Ben, oui. Dude, man, mon père fait ça.
Sur mon père, ça va être quoi la prochaine affaire qui va revenir à la mode? Fouiller des bacs de poubelle pour trouver le recyclage. Ça va être ça. Ouais, fais-tu ça? Ben oui, estime. Ben oui, tri poubelle des autres. Ça imposait rien à personne, mais une fois qu'il est au chemin, il va dans ses poubelles, puis là, il pogne le plastique. Il peut faire, ben voyons donc, ça! Puis là, il s'en va le nettoyer chez eux, puis il le remet dans... En plus, que probablement qu'il y a à peu près 50% du recyclage est crissé au vidange. Ah, genre, c'est comme clair. 60%. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est okay, intense. Là. Au Québec, il y a vraiment un gros, gros problème de système de recyclage. Ouais. Surtout, c'est qu'est-ce qu'ils font avec rendu là-bas. Je sais qu'il y avait des problèmes de comme on a trop de recyclage, on ne sait pas quoi faire avec. Puis... Non, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de façon de pouvoir le trier. C'est le triage, c'est que genre, ils font comme aïe, hostie, on peut rien faire avec ça. Ça, semble... c'est quelle épaisseur de plastique? Je sais pas, boss. Qu'est-ce que ça, c'est des vidanges? Honnêtement, c'est très simpliste de résumer ça de même, mais c'est de même. Je le sais qu'il y a une partie qui était envoyée en Chine, puis une année, la Chine a juste fait « Non, on veut plus avoir votre recyclage. On le reprend pas. » Fait que là, on est comme... Je sais pas c'est quoi le développement par rapport à ça, mais c'est comme « Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec? » Mais c'est parce qu'il y en a bien qui achètent de la résine de plastique ou de matériel. Du fibre de verre. Ouais. Puis c'est ça, ceux qui font qui vont beaucoup acheter le recyclage, justement, ou juste le prendre, ben ils sont obligés d'aller ailleurs l'acheter parce qu'ils citent c'est pas assez bon pour le recycler. Il n'y a pas de système. Honnêtement, je pense qu'il faudrait que tout soit consigné. Tu sais, comme maintenant, si tu achètes un 2 litres de Pepsi, ta bouteille de plastique est consignée 5 cents. Ouais. Mais il faudrait que, tu sais, les bouteilles d'eau puis tout ça, puis que la facture soit refilée aux compagnies et non aux clients. J'ai aimé ça. J'ai vu à l'épicerie, c'est John Jones, je pense, qui font des espèces de liqueurs. Ouais, c'est ça. Jones? Ouais, les liqueurs. Pas John Jones. Non, juste John Jones, c'est le gars de... C'est le gars de lui, il fait des stéroïdes. Oui, c'est Il est dans le shop, il trie le plastique. Là, quand la caméra coupe, c'est comme... Bon, ben là, ramenez les hosties d'employés de marde faire ça. Là. Moi, je suis tout sale. Mais j'ai vu ça à l'épicerie, c'est Jones. Je m'excuse, c'est des bouteilles de liqueurs. Puis les bouchons, dans le fond, il dit de ramener les bouchons. Puis mettons, à 10 bouchons, t'as un tel article promotionnel, à tant de bouchons. Ah, ouais. Comme si c'était le monde à rester. Ouais, c'est ça. Ah, aller ramener. Je trouvais ça, c'est une belle idée. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était des bouchons de Coca-Cola. Tu ramenais ça à compagnie puis t'envoyais un objet, justement, de collection. Mais ça, eux autres, c'était pas par conscience de pollution. Non, pas du tout. Pas du tout, mais tu regardes comment les gens fonctionnaient dans les années 50, là, puis il y avait beaucoup de ces affaires-là. Puis c'était même pas voulu, mais le monde recyclait vraiment plus qu'aujourd'hui, mais genre directement. Quasiment, ouais. Ben, les bouteilles de Grolsch, tu sais, les grosses bouteilles de Grolsch, pour faire du sirop d'érable, mettons, là, mettre du sirop d'érable dedans, là, tu sais, c'est plein de petites affaires de même que les gens faisaient de réutiliser certaines choses. Ouais, Grolsch, t'as comme le bouchon qui est comme capé après. Là, ouais, exact. Tu fais rien que faire ça. Moi j'en achète souvent les 1,5 litres. Là, j'ai chez nous. Moi, c'est de la décoration, ça. Ouais, j'aime bien ces bouteilles-là, moi, personnellement, Grolsch. J'en achète juste pour le style bouchon, pour vrai. Là. Je trouve ça vraiment nice. Ils vendent encore ce modèle de bouteille-là avec le. Ouais, c'est des 4 packs. C'est des 4 packs de 500 millilitres. Ah, ouais, elle est en bouteille. Moi, j'ai joué à ça. Je vois juste les canettes. J'achète jamais de la bouteille normale. Non, mais j'achète souvent de la bière et je souvent des friches de la bière. Non! Ramenez-vous votre bière, vous autres? Ouais. Non, notre bière, on Est-ce que ça fait BS, par exemple? Si, quand je la porte, là, genre, c'est à coup de. Je vais à deux épiceries parce que je suis trop gênée parce que je remplis un carrosse. Mais honnêtement, tu sais, c'est. Genre, on devrait tellement avoir honte. Moi, ce que je fais avec l'argent, dans le fond, à chaque fois que j'y vais, là, c'est. Je fais minimum 20$ quand j'y vais. Là, je ramène des bières, puis je mets ça dans un petit pot. Puis un coup qu'on a un bon montant d'argent, mais on se paye un bon resto avec ça. Ouais, puis je paye la balance vu qu'elle va porter bouteille. Ça amoindre des choses. Mais c'est le fun, on se paye un bon resto à comme 100 quelques piastres, puis c'est pas de l'argent qu'on dépense. Moi, je me fais minimum 15$ à chaque fois que j'y vais. Puis tu sais, je fais rien. Je fais juste genre les stacher dans un coin. Puis j'attends. Mais ça, c'est parce que c'est sûr qu'ils sont recyclés, tu sais. À la seconde, tes ramènes, c'est définitif, sont recyclés. Ouais. Moi, j'ai calice dans le recyclage. Yes. Mais c'est ça, ils sont pas recyclés. Moi, je sais. Mais quand je suis bien chaud et je m'en vais d'une plage, je m'en calisse pas mal du recyclage, pour être honnête. Mec, tu habites en appart, d'après moi, j'avais écrit un gag. J'avais écrit un gag, justement, qui disait que
que genre l'alcool au volant, tu sais, les lois là-dessus faisaient que ça créait plus de pollution. Parce que tu sais, maintenant tu bois ta bière dans le char, là. Chris, t'en garderas pas dans ta valise. Chris, tu vas t'incriminer toute seule. C'est clair. Ta garoche assise dans le champ pendant que tu roules. C'est clair. C'est clair, tu sais que c'est pas de shop, ça m'est déjà arrivé. N'importe quel est-ce que tu tout croches. Tu sais de quoi je parle. Ben oui, Chris. Moi, j'y vais plus tricky. Je me fais des rum and coke dans une bouteille de coke. Fait que ça va pas. Mais pas tout le temps. L'idéal, mais... ça serait de pas non. boire. Non, mais je fais. Honnêtement, je bois jamais quand je chauffe. Sauf, admettons, si je vais avec des amis dans un chalet. Là, on dirait que comme la fin de semaine est commencée, c'est comme OK, on boit en ouais, montant. À seconde, que... on dirait qu'il n'y a plus de loi aussitôt qu'il n'y a ouais. plus d'asphalte. Hein? Moi, moi, j'embarque sur le chemin de terre, enlève la ceinture de sécurité. Ah, c'est un bon gag. Me pop une bière. Ah, c'est un bon gag. Ah, tu devrais le noter pour eux, c'est bon. Ah, ouais, ouais, c'est pour un autre tourné, ouais, je trouve ça drôle. À chaque fois que j'ai ici, je me sors des gags. Ben oui, ben yeah! oui. Eh oui. Sinon, j'ai vu que tu allais représenter Blackout. Dans le fond, faut-tu le run dans ce temps-là ou. Non, ben l'affaire, c'est qu'il y avait un numéro là-dedans que. Tu sais, je parlais genre de la grossophobie. Je me suis fait traiter de grossophobe, là, tu sais. T'es comme, ben oui, puis pas j'ai... grosse. Bon, non, non. J'ai le droit. Non, au contraire, j'en fous beaucoup de grosses. Ah ouais? Mais. laisse-moi sucer. Ben, beaucoup, c'est comme comparé à jamais. Fait que, tu sais, quand t'as pas de vie sexuelle et là, tu couches avec deux, trois personnes, ça, c'est beaucoup, ça. Fait qu'en tout cas, peu importe. Ouais. Fait que, non, mais c'est ça, c'est un number-là, je l'ai mis sur Internet. Ouais. Fait que genre, je leur ferai pas dans, ouais. de, sur scène, mais fait que genre, tant qu'à moi, j'ai comme peut-être 50 minutes de blackout que je vais faire. Puis le temps qui va rester, je vais soit jaser, chiller avec le monde, tu sais, j'aime bien ça. C'était au catacombe, fait que... Ah oui, OK. Ouais. C'est nice parce qu'il y a une tabarnak de grosses terrasses en arrière, fait que tu sais, ouais, moi, ouais. je vais caler tout le monde pour dire... parce que j'ai des billets à vendre pour mon show... au Club Soda, ouais. là, tu sais. Puis que je fais le 22 octobre au Club Soda, justement. Ouais, bien sûr, au jerralin.com. Mais, ouais. On mais, fait qu'en tout cas, juste ça pour dire que je vais, tu sais, je vais caler ça au monde. Hey, si vous voulez des billets, j'ai 20, asti, venez me voir. Puis, fait que je vais me servir de cette 10 minutes-là. Ouais, pour ça serait ça un peu le Club Soda, mettons, vu que c'est quand même une grosse. Mais ben, tabarnak, oui, asti. Ouais. Moi, je pense pour ça que mon esti d'épaule m'a lâché. Ah ouais? C'est parce que. Ouais, ton épaule t'a lâché, ouais? Ouais, t'as mon. Moi, j'allais dire, t'as marché. Un torticolis de la clavicule puis de l'omoplate. Tabarnak. Droit. Fait que. Ouais, fait que. T'as pas fait un effort physique? Non. C'est quoi? C'est le tendon, dans le fond, qui... C'est musculaire. Okay. Fait que, t'as-tu changé de technique ou t'as crossé, peut-être? Non. C'est comme... peut-être la grosse. Ça, je vais plus énergique. Tu sais, quand on était jeunes... Je me suspends après eux. Tu sais, les profs d'éducation physique, là, ils nous disaient comment nous étirer, genre, ouais. ça. J'ai jamais fait ça de mon esti de vie. Ouais. Mais tu sais, ça, maintenant, je fais ça à chaque esti de matin. Mm-hmm. Parce que ça me fait du bien, puis j'ai moins mal dans la journée. Là. C'est clair. Gros, honnêtement, là, j'ai quelque chose de pété. Gros, le feeling que ça m'a fait la première journée... Là, en tout cas, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Ouais. C'est... dude, je sais pas, faisait trois jours, j'étais blackout. Le deux jours, puis le troisième jour, quand que je me suis réveillé, j'avais un point dans le dos. Je suis comme, ah, c'est pas si pire que ça. Je vais prendre des anti-inflammatoires, puis ça va être correct. Puis quand que... fait que c'est ça que j'ai fait. Le lendemain, je fais mon montage, tout est cool, c'est dimanche. J'arrive pour sortir de la douche pour aller à sous-écoute, voir Mike, tu sais. Ouais. Puis je mets mon chandail, j'ai fait un faux mouvement, puis j'entends comme... Ça oh, me... shit. Tu sais, quand tu te craques ouais, les doigts, ouais. c'est ça que ça a fait, tu sais. Puis... Mais comme vraiment intense, puis tout le haut du corps me lâchait. Je suis comme... puis là, là, je me mets à terre, ça s'est remis parce que c'est froid puis c'est droit, tu sais. Puis je suis comme... Oh, fuck! Qu'est-ce que je fais? Fait que là, si je bouge comme mes bras, je suis capable de bouger un petit peu, mais pas beaucoup. Puis là, genre, j'appelle mon père. Gros, il est à Gatineau. Qu'est-ce que tu veux qu'il calisse pour moi? J'arrive, Jerry! Au bout de deux heures. Ben, tu sais, j'essaie de lui demander, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Puis il est comme, yo, garçon, je peux pas t'aider. Yo, c'est quoi ça, man?
Fait que c'est ça, mon père, il est black, comme vous avez vu. Non, 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 fait que, tu sais, il est comme, je peux pas t'aider, puis tout, j'étais à 2 heures de route, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tabarnak? Il dit, appelle Info Santé. Fait que j'appelle Info Santé, 45 minutes plus tard, je réussis à parler à quelqu'un. Puis là, il dit, je t'appelle l'ambulance. Ben ouais, mais là, elle, elle capote, ben comment, oh, tu t'es peut-être sectionné en Irlando? tabarnak. Mais elle est trop alarmiste, fait que là, je décide d'appeler un ami qui est ambulancier, j'explique toute l'histoire. Puis là, il me dit que c'est musculaire. Tu sais, il dit, hey, ça. Tu sais, si ça avait été vraiment dans la colonne, d'où tu te sens pas une journée et demie après, là. Ouais. Chris, c'est ouais. la journée même. Tu peux plus bouger là, là. Ouais. Fait que là, il me dit, gars, bouge pas, pas que des rebats qui s'assignent en enfant de même. Puis, gars, essaie de pas bouger. Puis demain, appelle un de tes chums. Puis, pogne un rendez-vous à la clinique. Puis là, il me donne une adresse courriel à écrire. Puis là, je réussis à avoir un rendez-vous, tout est correct. Finalement, c'est ça. Si le médecin m'a expliqué que j'avais fait un torticolis, estimant, de... Dans l'épaule. Du... Ouais, dans l'épaule, estimant. Est-ce que c'est pas quoi, mettons, peut-être quand tu benchais? Non. Hey, je sais pas. Lui, il pense... Honnêtement, j'étais blackout, fait que je sais pas ce qui s'est passé. Mon frère, lui, il était sous, mais pas tant que ça. Puis il me dit qu'il m'a pas vu tomber ou de quoi de même. Tu sais, fait que j'en ai aucune idée. Le médecin pense que genre j'ai tombé endormi de la mauvaise façon pendant 8 heures de temps, c'est de même. Ah, que ça a comme étiré quelque chose. Les torticolis dans le cou, c'est à cause de ça. Là, tu dors mal la nuit. Puis, ah ouais, tu sais, moi, les torticolis j'ai eu, c'était tout le temps quand j'allais dans des hosties de festivals de rocker. Là, où c'était comme un astigo mongol. Fait que, ben, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Mais ça, c'est l'explication. Tout ça pour dire que ça, c'est l'explication du médecin. Moi, je pense que ça faisait 3 jours que j'étais blackout sur la brosse. Puis ça, et ça, depuis que j'avais annoncé mon show du Club Soda. Puisque, asti, j'avais eu, genre, en 3 jours, j'avais peut-être eu, genre, 8 heures de sommeil, asti. Fait que, tu sais, en plus, je m'avais comme un peu pogné avec Michel. Parce qu'il m'avait, ouais, il m'avait dit de pas annoncer Mike. Mais moi, quand j'ai dit le 22 octobre à Michel, puis Mike, puis Michel me dit « Ah, Mike est libre, il va pouvoir. Ouais. » J'étais tellement content, tabarnak, que j'ai pas écouté qu'est-ce qu'il a dit après. Il a dit « Si j'étais toi, j'annoncerais pas Mike, parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il peut avoir. » Il me l'a dit, là. Ouais. Puis, mais moi, j'ai pas de temps à écouter. Ça a comme rentré dans l'oreille. Ça, c'est moi qui est cave. Mais j'étais tellement content. C'est comme... Hey, c'est gros, là, remplir Club Soda. Ouais, c'est 520 places. Pour un humoriste établi, c'est fuck all, mais pour un dude que, astie, ça fait pas longtemps qu'il fait ça, c'est énorme, ça, comme move à faire. Ouais. Puis, c'est ça. Puis là, c'est ça, le matin même, avant que cette astie d'affaire-là, le torticolis arrive, Michel m'appelle, genre, comme dans la soirée. Puis il fait « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit, je te l'ai dit. » Puis il était direct, puis franc. Il était pas désagréable, il était pas impoli. Il était juste professionnel, puis direct de « Hey, là, t'es dans le cours des grands. » Puis Chris, je t'ai dit comment ça marchait, puis tu m'as pas écouté, là. Tabarnak. En ligne, t'es flûte, esti, là, tu sais. Ah, ben c'est cool que t'aies fait ton Et puis là, après ça, tu sais, mais. C'est une leçon. Non, oui, c'est une leçon, mais je tiens à dire qu'il l'a dit très correctement, là, tu sais. Ouais, mais je comprenais que c'était pas fait avec des mauvaises intentions. Ben, c'est ça, mais c'est quand il a vu que j'étais pas sur la défensive, puis j'étais pas comme, non, 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 c'est toi qui me. Tu sais, puis j'essayais pas. Je sais comment ça marche, Mitch. J'essayais pas d'y mettre le blâme sur lui. Puis que, à la seconde qu'il m'a dit ça, j'ai fait, asti, je m'excuse, Michel, puis asti, c'est ma faute, puis. Tu l'as-tu appelé Mitch la bitch? Non. Regarde, toi puis Mike, vous allez me sucer. Aussitôt qu'il a vu... aussitôt qu'il a vu que... Mais je comprenais qu'est-ce qu'il me disait. Ouais. Tu sais, il a comme vraiment descendu. Puis, mais tu le vois, ce gars-là, il est à ses affaires. Il sait comment que ça marche, la game. Ouais. C'est pas la première fois qu'il a géré des shit de même. Fait que, tu sais, là, il était vraiment plus friendly. Puis, il me l'a expliqué en disant comme, tu sais, c'est la première fois que tu fais ça, c'est cool, on comprend. Puis en même temps, t'sais, nous autres, c'est pas grave. Là. Ouais. T'sais, c'est pas nous autres, ça va tomber la marde. Là. T'sais, c'est toi qui vas avoir de l'air d'un. Si Mike il peut pas, on va dire, parce que c'est ça qu'il me dit. Il dit si Mike il a un corpo, là, on va dire, cette journée-là, là, à 10 000 $, ben penses-tu qu'il va faire. Non, faut que j'aille faire la première partie.
à un de mes amis, tu sais. Oui, oui, oui. J'ai 10 000 piastres, tabarnak, tu sais. C'est clair. Fait que c'est clair, c'est qui va le prendre. Fait que, tu sais, puis c'est ça qui m'expliquait. Puis j'étais comme, calisse, hey, pourquoi j'y ai pas pensé? Excuse-moi, Michel. J'étais juste, j'étais trop content. J'essayais, puis il a fait, ouais, ouais, c'est cool, mes gars. C'est cool, Michel, pour vrai. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est arrivé avant ton torticolis? Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, je pense, c'est. Le parce que honnêtement, quand seul, que Michel m'a appelé pour dire ça, puis tout était correct, puis Michel me l'a expliqué, tout était cool avec lui, Mike, c'était fine. Ils m'en ont jamais reparlé. Pis c'est tout en moi qui en a capoté beaucoup trop pour rien. Ouais. C'est moi qui en ai fait vraiment trop une grosse histoire pour rien. Mais ça, ça m'a tellement stressé, man. J'étais comme, ah, ça y est, Mike, il m'haït. Non, mais c'est sûr. Mike, c'est, en même temps, c'est ton idole. Fait que déjà que t'es pas de créer des liens avec, c'est comme si t'as de la misère à y croire. Puis, tu sais, de leur côté, là, je pense, honnêtement, je pense que ça n'a jamais changé. Là. Ils m'aiment toujours autant. Puis, oui, toujours. C'est vraiment juste une question professionnelle. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, c'est juste, ouais, c'est ça, c'est professionnel. Puis, juste, Chris, sois à tes affaires un peu. Puis, respecte la façon de procéder. Tu sais. Mais ça va être. C'est une leçon qui va te rester en tête. Ouais, c'est ça. C'est fun. C'est une très bonne leçon à en tirer. Puis, mais honnêtement, juste ça, là. Tabarnak, ça m'a stressé. Ah oh oui, pendant... Genre... C'est la faute à Michel, tabarnak. Deux semaines c'est pas 5 mois Michel, c'est 5 mois Michel, l'hostie. C'est un méchant malade, lui. Ah, oh, il tripe ses menstruations solaires, c'est son fétiche. Je peux pas dire que c'est vrai, là, mais je l'ai pas vérifié. Vérifions nos informations avant de... Mais je les ai vérifiés, moi, Philippe. Ah, oh, pas live. Non, c'est pas... je dis là, c'est une merde. Il est en cours, c'est comme baissez vos culottes, monsieur. Puis il y a un cerne de sang. Là. Comme, oh, on le savait, asti. Coupez les gars, il y a du sang, ces gosses. Envoyez, riez. Tout ça pour dire, j'étais vraiment stressé pour le club soda. Ouais, ouais, ouais. Riez, tabarnak. Sinon, t'es-tu fan de roast? Non, vraiment non, pas. J'aime l'écouter, ouais. J'aime être témoin de ça. Je. Crampe à chaque fois que je m'entends des jokes de roastage. Entre amis, quand il n'y a pas de caméra, quand que c'est pas sur scène, j'adore ça, faire ça. Mais j'aime pas les shows concepts de roast. On s'entend du roast, tu sais, je veux dire, en chum. Tu sais, t'aimes ça breaker des balls, là, tu sais, comme juste. J'aime écœurer, j'aime taquiner mes amis, j'aime. Ouais. Ça, cette attitude-là de boys club ou même, tu sais, avec la blonde, l'ami, est-ce, puis là, on se taquine, ça, j'adore ça, faire ça. Puis même que j'aime me faire taquiner aussi, quand c'est du monde que j'aime. Mais je suis tellement rancunier, puis. Susceptible que je peux pas participer à ces affaires-là. Je le prends personnel. Puis je sais tout le temps qu'il y a une base de vérité parce que ça part de là. Oui, il y a une base de vérité. Ouais. Puis c'est fait avec du monde. Il y a du monde déjà que je parle plus dans le milieu. Puis je déteste la crise de milieu d'humoriste-là. Fait que moi je m'en calisse. Fait que c'est sûr et certain que. Je peux pas participer à des affaires de même. Au moins, tu te connais, là. Ouais, le Rose Battle, c'était... Je pense que, si je me trompe pas, c'était José Charland qui le bookait à Comédia. Okay. C'est eux autres qui produisent ce show-là. Puis la première saison, elle m'avait écrit 2-3 fois. Puis elle a fait pas ça, là, tu sais. Fait qu'elle voulait vraiment que je sois dessus. Ah ouais. C'est nice, c'est flatteur. Ah. Ouais, mais vu que j'ai répondu que je disais que je voulais pas, mais c'est parce que dans le temps, j'avais comme un gérant où que le message, je n'avais pas fait faire. Fait que elle m'avait écrit, puis j'avais fait comme, « Hey, écris à mon gérant, tu sais, c'est lui qui va comme prendre tous les détails, puis on va en jaser ensemble. » Tu sais, ça va être plus simple demain. Dans ce temps-là, tu sais. Puis depuis de gérant maintenant? Ouais, j'en ai jamais vraiment eu. Là. Ça a tout été des parts. Okay. C'est comme mes blondes. deux, trois mois. C'est des courtes durées. Non, c'est bon, bro. Okay, puis, okay. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Puis, fait que c'est ça. Puis là, en tout cas, le message n'avait pas passé. Puis, fait que là, lui, le gérant, il n'avait pas réécrit à José. Fait que là, elle m'avait réécrit. Puis j'avais fait comme, hey, t'as-tu écrit à mon gérant? Puis là, tu sais, c'était comme tout le temps, elle se relançait à la balle. Puis elle avait fait, hey, tu le fais-tu, tu sais? Puis je pense que ça, peut-être, ça l'a fait chier. Là. Mais moi, c'est ça, j'ai expliqué que non, je fais pas ça. T'sais. Mais je pense que ça l'a fait un peu chier parce qu'après, elle m'aimait bien. Puis là, quand je propose des projets, ben
Elle a pas trop de light down. De... Ouais, mais en elle même temps. Pas tant, le... Ouais. C'est peut-être qu'elle a pensé que, genre, ben, il me fait pas de faveur si tu gardes qu'il mange la marde. Ou peut-être, genre, oh, il est pas à ses affaires. Mais elle est vraiment dans le domaine télé de comédien. Télé, production, gérance. Okay. Ouais, c'est un esti de gros nom de. Tu sais, genre. C'est quoi son nom? C'est José Charland. Fait que, José Charland. Ouais, c'est très cool, super José nice. José Charland, je me cherche un travail. Je me cherche une job, s'il vous plaît. Si vous avez de la place. Ah ouais. Venez le café. On va faire n'importe quoi, moi. Elle, c'est elle qui s'occupe de Mike Patterson, de Mathieu Cyr, Mike Beaudoin. Wow, OK. Pascal Cameron. Non, je pense Pascal Cameron. Parce que c'est Marie, c'est une fille, je pense que c'est Marie Chantal ou un enfant de main. Elle a-tu un chum? Non, mais t'as comme un adjoint qui est devenu comme l'autre gérante de, Comédia. Mm-hmm. C'est vraiment une nice gang. Puis là, t'as comme. Je pense qu'il veut pas que je le dise, mais personne n'écoute votre podcast. Non, Je pense que Roof, je pense qu'ils sont en train de tâter le terrain. Peut-être Roof va embarquer avec Comédia. Ah oui? Non, ouais, nice. Je pense qu'ils sont en booking, genre. Puis. Si ça fonctionne bien, la relation, il va comme tout délaisser. Parce que Roof, lui, il est comme moi. C'est plus moi qui est comme lui. Il s'autoproduit? Non, c'est pas qu'il s'autoproduit, mais c'est que c'est tout lui qui gère ses affaires. Okay. Si tu veux l'avoir à un show, tu veux le booker en quelque part, c'est lui qui va répondre. Ouais. Mais lui, il fait pas comme moi. J'ai écrit pour le podcast, il m'a jamais répondu. Ah, pour vrai? Mais ça fait longtemps, Chris, hein? Est-ce qu'il est rancunier, tabarnak? Vous deux, man, vous êtes là-dessus, en tout cas, vous êtes colissement pareil. Bien sûr, les rancuniers, bro. Tabarnak. Marco, même, une année, mettons, je fais juste comme. Je fais une joke, là, tu sais, whatever, qui est un peu vrai, genre. Fait juste ouais, mais vous êtes des frères. Vous êtes des frères, est-ce que. Ah, mais c'est normal. Non, j'y en veux pas. Moi, mon frère fait ça, là. Les deux, on se pogne pas, là, mais. Il y a de quoi. Il y a de quoi qui se passe. Mais nous autres, parce qu'on est dans le même truck le matin, là. Tu sais, des fois, là... Vous êtes tout le temps ensemble. Ils sont pas constamment ensemble. Ah ouais, puis vous entendez bien, pourtant. Ils travaillent ensemble, ils font le podcast ensemble, ils jamment ensemble. On se lave ensemble. Puis vous chillez aussi dans les soirées. Ouais, ben, on a les mêmes chums. Ses chums, c'est mes chums aussi. Ben, avec mon frère et tout, c'était le même, mais quand on travaillait ensemble, on se pognait en tabarnak. Ben, tu sais, des fois, il y a des bouts que, genre, on se tape ses nerfs, là, mettons. Ça arrive, là. Genre, on se parlait pas dans le truck, genre. Mais non, ouais, mais en général, ça va par pause, je te dirais. Ça va par 5 minutes. Il y a 5 minutes, ça va bien, puis de m'amener, c'est genre, comme il y a de quoi qui. Non, j'exagère, là. Une phrase qui fait comme chier l'autre. Un peu plus que moi. Ouais, puis il y a un fret. Mais t'es dans une cabine, là, OK? Il y a rien, là. Il faut que tu règles tes shit. Tu sais, t'es dans une cabine, tu sais, toute la journée. Mais je pense que c'est l'humour qui sauve tout le temps la situation. Tu peux pas. Okay, on s'engueule, mettons, là, ou bien, façon de parler, on s'engueule. Mais on sait pas trop. On a un échange un peu plus. Qui brasse un peu plus. Puis tu peux pas passer la journée à te bouder. T'as 10 heures qui te restent, c'est que le gars dans le truck. Tu règles les shit. Moi, le pire, c'est que je suis bon pour ça, tu sais. Si je t'aime pas, je te parlerai pas, man. Non. Ouais, je sais. Ah ouais, mais. Tu allais dire, genre, pour régler des problèmes, non. Si je t'aime pas, je te parlerai pas. Ah, non. Attends, c'est cool, tu te respectes, man. C'est parfait. Non, genre, j'étais un gars vraiment de conviction, là. Ouais. Mais le pire, c'est que si quelqu'un arrive puis met ses tripes sur table, puis fait, hey, gars, je peux comprendre que, gars, tu me reproches telle affaire, puis t'es arrivé telle chose, t'es arrivé ça avec ça, puis ça. Mais en même temps, tu sais, mets-toi un peu à ma place, il est arrivé telle affaire, puis moi, l'écouter, m'a fait « Ah, all right, il est prêt, mais quelqu'un qui vient juste, je me narguer, là. Toi, mon esti, m'a taillé. M'a taillé longtemps. En général, quelqu'un qui me manque de respect, j'ai tendance à le fronter aussi. Je suis quand même fucking respectueux avec tout le monde, puis je suis poli avec le monde. Puis tu sais, même quelqu'un que j'aime pas au pire, s'il me dit salut, je vais répondre salut, je l'ignorerai pas, parce que je suis quand même poli. Mais quelqu'un qui manque de respect, en général, je vais le fronter, puis en général, ça va... Okay. Parce que, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas tant de... Fait que toi, la confrontation te dérange pas? Dépendamment à quel point. Moi, j'aime pas la confrontation. Non, j'aime pas... honnêtement, je veux pas faire chier le monde en particulier, tu comprends? Mettons même quelqu'un, qui fait des trucs qui me gossent. Si le gars, il est smart avec moi pendant qu'il me parle, ben je vais être smart avec lui pendant que je parle, genre. Ouais. Parce que je suis comme... Il m'a pas même fait si chier. Tu l'aimes pas? Même s'il y a des trucs qui me gossent, ouais. Mais pas si mais je l'aime si pas. Mais si gosse, c'est pas grave. Pas si je l'aime pas. Si j'étais capable de focusser sur des affaires
Mais moi non plus, je suis quelqu'un de super sympathique, qui aime tout le monde. Clairement, mais moi, j'haïs tout le monde. Je déteste tout le monde. Ça dépend c'est quelle semaine dans le mois. Désolé. Ça va aller, ça va. Non, mais pour elle, la confrontation ne me dérange pas. Je pense que c'est... Il y a tellement de bave sur mon micro, style. Ça t'apprendra. Je pense que c'est toutes les armations m'ont amené pour elle, genre, de me faire confiance, juste d'être calme puis m'en crisser. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on se batte. Puis au pire, je connais cette situation-là. Fait ouais. Que... Ouais, des fois, t'as envie de te battre aussi. Ouais, mais tu m'as... Genre, tu m'as-tu déjà vu me battre? Non, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. C'est jamais arrivé. J'ai souvent vu aussi. Ouais, que j'étais en tabarnak, là. Ouais, ouais. Comme... Non, mais quand il se prend, il est comme... La l'imitation était drôle. Il se prend, il est comme... OK, au pire, si ça se pogne, là, OK, on y va. On dirait que t'essaies d'être prime dans ta tête comme un guerrier, là. T'es genre... T'es dans l'avion, là. OK, on saute en parachute dans pas là. All right, c'est bon. Ah, je vois assez. Pas de trouble, mon chum. Let's go. Des fois, ça m'insulte. On dirait du monde qui sont là, puis qui mettons, qui sont insultés. Je suis comme, c'est tabarnak, c'est quoi? Il pense-tu qu'il me fait peur, lui, calice? On dirait que ça m'insulte. Le fait qu'il pense qu'il est capable de me faire peur. Ah, ouais. Ouais. J'ai un petit gros orgueil, puis un gros ego. Mais c'est bon, moi, j'ai. Mais c'est correct, est-ce j'ai de la misère, moi, personnellement, à confronter une personne, mettons, qui me fait chier, whatever. Tu sais, chier. T'as assuré ton épaule, toi, là. Ça aurait tellement été malade. Elle couche dessus le plancher, il est froid, Jerry. Papa! Papa! Papa est à Gatineau, Jerry. J'ai plus rien pour toi. Là, t'es paralysé, là, puis papa, il t'aidera pas. Il te sauvera pas, tu te sens rien, mon chum. C'est quelqu'un qui m'encule. Papa! Est-ce que t'avais dit? T'as de la misère avec les confrontations? Ouais, j'ai un peu de misère avec la confrontation. S'il y a quelqu'un que j'aime pas. La confrontation. Ouais, j'ai rajouté des lettres. C'est moi qui l'ai mal dit. Ah ouais. Mais il a juste répété ce que j'ai dit. Frère, avec deux frères. Ah, deux crises d'attardé. Ah ouais. Deux crises niaiseuses. Fait que c'est ça. Je suis Fait que. Moi, je suis capable de me battre. Fait que, j'aime, comme je disais, j'aime pas la confrontation. Puis, non, c'est pas dans le sens où je dis ça. Non, je sais pas pourquoi. J'ai genre, si je suis quelqu'un que j'aime pas tant, whatever, je. Tu sais, si, comme tu dis, s'il est smart avec moi, je vais être smart avec, mais genre, mais je vais juste le laisser de côté, là. Je vais juste pas parler avec, en fait, le plus possible. Tu vas de l'ignorer un petit ouais, peu. Ouais, je vais ignorer plutôt que confronter, en fait. Ouais, si je t'aime pas, c'est genre, oublie ça, là. J'ai même pas de temps à perdre, puis je vais juste comme faire autre chose. C'est genre le truc-là, j'ai tendance à effronter. Mettons, ça arrive, mettons, quelqu'un qui m'aime pas, whatever. Puis, mettons, quelqu'un, ça m'est arrivé une année, il y avait un doute, genre, il était tout le temps, mettons, comme à l'écart un peu. Mais tu sais, je voyais qu'il me fixait, puis il essayait de ça jouer badass, comme si, mettons, genre, aux yeux de ses chums, il essayait comme de me faire là-dessus. Puis, maintenant, j'ai juste pogné, je faisais, hey, man, c'est quoi l'affaire, là? Genre, peux-tu parler? Ouais, go, vas-y, là. Parce que clairement, il m'a jamais confronté moi-même. Ah ouais. C'est juste à guess quand il était avec ses chums, il disait genre, ouais, lui, esti, blablabla. Ouais, c'est ça. Fait que là, je voyais tout dans mon angle mort qui était là, mais il m'a confronté. Puis je suis allé voir, je fais, ben, ça va? Tu veux qu'on jase, esti? Puis là, on a comme commencé à parler, puis depuis ce temps-là, esti, il me sort la main quand je suis là. Puis. Ben, moi, tu sais, dans le gang où ce que j'étais dans le temps, ben, tu sais, une gang, pas une gang de rue, mais tu sais, le monde. Ouais, c'est ça, le gang. Le monde, je me tenais avec, tu sais, où ce que c'était un peu plus chaud, où les choses se brassaient. Ben, tu sais, quand quelqu'un y avait un fuck avec quelqu'un d'autre, c'est. Ça se réglait, là. Tu sais, genre, c'est. On règle ça là ou on se bat, man. Tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Genre, fait que. Tu sais, moi, j'ai pas tant eu souvent de situation de même, mais c'était. C'est de même que je réglais mes problèmes, là. T'sais. Ouais. Pis là, j'arrive dans un environnement un peu artistique. Ou ce que, tu sais, genre, faut que tu sois. Faut un peu tu joues ta game en même temps que. Puis moi, tu sais, je comprends qu'il y en a qui jouent leur game. Mais ça parce que même moi, j'en joue une. Tout le monde joue une game. C'est juste, il y en a qui jouent à des levels très différents, tu sais, puis beaucoup plus intenses que d'autres. Moi, j'essaie d'être le plus authentique possible, puis le plus près de mes. De mes valeurs, mes convictions. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un que j'aime pas. Je pourrais commencer à faire le dude qui est comme genre, OK, m'a faire semblant de rien, puis, mais non, man, moi tu me joues dans le dos, tu fais de quoi que moi je considère traître, pas que tout le monde peut considérer ça comme un traître, mais moi je considère ça comme tu me trahis, mais dude, c'est fini, je te parle plus, puis genre, si tu viens me voir, puis tu viens me confronter là-dessus, je vais faire vraiment, dude.
Ouais. Vraiment, il faut qu'on s'explique. Tu sais, c'est quoi? Oh, ouais, c'est ça, là. Yeah, fuck you. Ça de jouer à game, fuck là. You. Fais tes affaires, je fais les miennes. Puis, engagement en calice. Tu sais, genre. Le pire, c'est ça, quand tu confrontes quelqu'un puis qu'il joue à game, je sais pas de quoi tu parles. Et ouais, ou quelqu'un qui vient te voir puis fait comme, hey, bro, tu fais. Oh, vraiment? Bro? Vraiment? Ou pas, dis-moi salut normal. Là, si tu veux non, être... pas de salut, juste un. J'imagine que dans le domaine artistique, ça doit être. C'est plus difficile parce que vous êtes vous-même votre produit. Mettons, toi et ta business, vous êtes la même personne. Ça, c'est de un, t'as exactement raison, mais de deux, l'autre affaire, c'est que tu sais pas qui peut t'amener des gigs, qui peut m'amener, peut popper, puis après ça, c'est lui qui décide de qui va avoir sur son gala. Tu sais, genre, fait que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Ouais, ça doit faire chier quand t'as une personne qui est importante, mettons, dans l'espèce de game. Puis que c'est un esti de marde, là. Puis là, t'es comme, ah, lui, je suis pas capable. C'est tabarnak, mais en même temps. Mais tu sais, quand tu commences, c'est un peu normal d'essayer de te faire aimer de tout le monde, tu sais, parce que tu veux juste faire un peu ta place. Mais là, moi qui ai rendu que. Puis tu sais, je suis pas en train de m'enfler la tête avec ça, mais vu que j'ai un petit fanbase, je peux me permettre de. Du monde que je m'en calisse, parce que je sais que je vais tout le temps avoir façon de peut-être pouvoir faire. Mon show en quelque part ou... Tu sais, puis en même temps, tu sais, je suis pas... C'est comme le Bob Bissonnette de l'humour. C'est très positif ce que je dis. Ben, t'es pas le premier qui me dit ça, puis il y en a qui souvent qui le disent dans le sens de l'alcool. Non, pas dans le sens de l'alcool. Mais là, je comprends que c'est... Dans le sens du parcours, genre, tu sais, du parcours. Il y a pas un parcours Il y a pas un parcours vraiment... Il fait ses affaires, puis... Ah oui, vraiment, comme tu dis, t'es authentique, là. C'est la meilleure chose que tu peux faire à long terme. En tout cas, c'est la meilleure game à faire. Tu sais, même que des fois, il y a des affaires, je dis que... Peut-être qu'il était un peu too much, qu'il était un peu overreact, mais au moins, vu que je suis fidèle à ça, puis que je suis pas en train de dude qui te joue dans le dos, non, qui fait comme genre qui va aller dire de quoi, puis après ça, qui va faire comme hey, bro, puis tu serres la main. J'ai l'impression que ça joue contre toi, des fois, contrairement, mettons, c'est plus stratégique, je pense, à la guess d'être fake ass dans le milieu, mettons, mais tu penses que ça peut jouer contre toi, des fois? Moi, je fais pas ça, fait je peux pas vraiment savoir, mais tu sais, quelqu'un qui fait ça, c'est sûr et certain là, que ça peut. Mais en même temps, c'est là que tu sais que c'est là faut que tu joues bien tes cartes, parce qu'il y en a qui le font. Tu sais, il y en a qui veulent dans le milieu. Puis ils veulent pas être humoriste ou ils veulent pas être le plus drôle ou en enfant de main. Ils veulent juste être une vedette, tu sais. Ouais. Ils veulent être une vedette, ils veulent que ça pogne le plus possible. Ah, sais. C'est clair. Les objectifs de tout le monde sont différents. Wow, puis là, ils veulent en conséquence aussi. Ben, c'est vrai de ça. Ça va être une claque d'en fait quand tu es dans un monde qui est plus real. Puis là, tu arrives à une place, tu penses que c'est des amitiés. Puis finalement, c'est juste quasiment il y a des spots que c'est plus des relations d'affaires que des amitiés. Fait que là, genre. T'as-tu trouvé ça dur au début? Non, mais t'as-tu trouvé ça dur au début? C'est pas au début, c'est vrai. C'est là, parce que c'est là que je m'en rends compte. Oui. C'est là que je me rends compte qu'il y en a plein qui sont super chum avec toi. Puis après ça, tu fais des affaires comme « Hey, signe-moi Michel, fuck it du calcul! » Puis après ça, le monde, ça commence à te chier dessus. Puis fait « Voyons donc, Chris d'ivrogne, penses-tu vraiment que ça va l'emmener en quelque part, ça? » Puis là, il dit ça dans le dos. C'était une stratégie. Ah ouais, exactement, tu sais. Puis après ça, c'est la première fois, tu sais, pour le show, pourquoi plus pour longtemps? C'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y en a plein qui me disaient ça. Ah, c'est-tu qu'il n'y en a plus pour longtemps, lui? Puis Chris, je suis rendu avec un deuxième show, puis là, j'essaye de continuer à faire mes affaires. Oui, tu sais, c'est le même, j'ouvre le spectacle avec ce show-là. Puis, fait que tu sais, c'est là que ça fait vraiment de quoi, parce que, tu sais, plus en plus que tu avances, plus en plus que tu as des opinions ou tu t'affirmes ou que... T'essayes juste de faire comme, ben, moi, je pense ça. Puis, t'essayes de discuter avec du monde qui sont crissement pas prêts à la discussion. Puis, que si tu penses pas comme eux autres, ben, t'es un ci, puis t'es un ça. Hey, man, c'est décollissant en tabarnak, surtout quand tu penses que c'est ton ami. Tu sais, quand tu penses que ce gars-là, c'est ton bro, puis, il y a du monde, man. J'ai fait plein de shows avec, où on s'est saoulé la face, où quand on commençait, je donnais plein de conseils, où eux autres m'en donnaient, puis c'était vice-versa, où on essayait de se monter mutuellement ensemble, puis on essayait de s'entraider. Puis que finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, ils ont dans le fond, tout qu'est-ce qu'ils pensaient que j'étais une estime de marde. Ben, tu penses qu'il y a un peu de jalousie là-dedans, peut-être? Non, c'est vraiment de l'hypocrisie. C'est vraiment. Bah ouais, c'est juste. C'est qu'il y en a que. Tu sais, en même temps, je suis pas en train de chier tant que ça là-dessus parce que je comprends qu'à un moment donné, c'est qu'il arrive la croisée des chemins où entre tes valeurs puis entre le fait que, hey, je veux monter dans ma carrière
Tu sais, fait, tu sais, il y a un moment donné où ce que ça arrive la croisée des chemins où tu fais ah, ok, lui, il est peut-être too much ou tu sais, quelqu'un qui est vraiment à cheval sur ses opinions et ses valeurs. Ça se peut que, tu sais, moi, tu me connais, j'aime ça faire des jokes de Chris, ah ouais, cale ton shot, là, je vais faire ta fif, là, tu sais. Ta bête, ben, j'avais de la bière sans alcool. Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, pis toi, t'es capable de cet humour-là, puis tu catches, est-ce que ça n'a pas rapport avec les homosexuels? Ben oui, je sais. Puis, mais quelqu'un qui est vraiment à cheval sur des opinions, des valeurs très de gauche et moi je trouve que c'est de l'extrême gauche là, ça serait drôle justement ben, pour lui je suis un homophobe, je suis un ça serait drôle qu'on fasse une vidéo où est-ce qu'on on regarde de la gay porn puis on va juste comme est-ce tapette tout le long genre ils sont ultra homophobes et regardent la gay porn ils sucent esti Chris de gay puis genre ça se fait pas ça se fait pas ça Chris. Sinon, on change un peu de sujet pour ton podcast. Je me demandais, c'est quoi tu trouves le plus difficile, mettons, de faire les entrevues one-on-one? Ben, c'est quand quelqu'un qui me donne pas de jus. Ouais. Quand quelqu'un, je pose une question, puis il me fait une petite réponse, tu sais, une réponse courte de phrase, là. Hey, comme ça t'a-tu stressé, le Club Soda? Ouais. Ah ouais, c'était bien stressant parce que c'est 520 places, là, hein? Ouais. Hey, ça, développe, là, tabarnak, là, mais en même temps, c'est toi qui l'invites, fait faut que tu le mettes à l'aise, puis moi, je suis le même dans la vie, fait que, tu sais, je veux mettre le monde à l'aise, fait que, qu'est-ce que je fais, c'est je repose souvent la même question, mais avec différents mots. Fait que, tu sais, genre, il repense, puis des fois, ça leur pitch sur d'autres choses. Mm. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, j'ai pas un gros fanbase, puis là, il passe sur le fanbase. Fait que, souvent, ça, c'est le truc que je fais, mais honnêtement, c'est l'affaire qui me stresse le plus de quelqu'un. Mais comme hier, j'ai reçu Denis Talbot. Ouais. Parce que, tabarnak, j'ai posé une question, puis il partait, là. J'ai. Puis, tu sais, des fois, j'ai le rire facile aussi parce que j'aime ça rire. Ouais. Mais, lui, honnêtement, c'est vraiment drôle du début à la fin. Vous êtes-tu en train de faire des. On va le faire dans la toilette tout à l'heure? Non, On parlait contre toi, là, je traînais. Non, mais ça semblait des affaires de. Mon père, il dit que c'est noir. Ah ouais, bro. Ouais, c'est parce que ça arrive souvent que Jas demande à Marco si elle peut sucer ses chums. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Hey Marco, je peux dire, bro? Non. Toutes les fois, j'ai dit non, puis elle continue. Je l'aime, lui, vas-y. C'est tellement sale. Ah, ben là, t'es sûr, je peux pas. Ah, il a juste le crosser. Là, tu te rends compte qu'il faut que Marco, lui, avec, soit dans la toilette, puis qu'il te regarde. T'es juste comme. Ça a été de me regarder, voilà. Il est même pas, bandé, il est juste les bras croisés, puis le juge, bro, tu me fais ça, là. Oh, wow, mais il joue la game, parce qu'en fait, il aime ça, mais il fait juste comme. Non, man, tu fais pas ça, là. C'est juste une game parce que ça l'excite de comme être cuckoldé, genre. Et jusqu'à. Puis là, tu te mets proche de ta graine. Moi, j'étais en train de me dire, pauvre Jasmine, que tu sais, c'est la seule fille, puis on fait plein de gags super. Puis c'est ça, j'étais en train de me dire, Chris, fait 8 ans que t'es avec lui. Avec Marc Olivier. J'ai entendu des pires. Ouais, c'est ça, je fais. Ouais. Ah non, c'est sûr que ça y est. Ben oui, ils donnent toutes des claques. C'est drôle, là, parce que dans les soupers de famille, la personne la pire qui va sortir les choses les plus crues, c'est leur mère. Puis genre, c'est elle qui va le plus loin, là, puis on est tous genre... En riant, genre? J'avais une image, mettons, c'est comme si, mettons, genre... Comme vous deux, là, vous fourrez, là, hein? Non, mais c'est comme si, mettons, genre, on se relance une joke, dans le fond, parce que c'est pas comme si on jouait tout avec un ballon, puis on joue avec, puis là, une manière, elle pogne, puis elle calisse dans un ton de marde, puis on va tout genre, oh! C'est beau! Ouais, ça, c'est un bon gag. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Des fois, c'est... Ouais, puis c'est genre, c'est vraiment trash. Oh, maintenant, elle fait juste trash, comme... Elle fait comme... Ah, fuck! En plus, là, fait nous écouter, elle dit rien, puis maintenant, paf, c'est comme... Ah, tabarnak! Hey, il y a pas tant longtemps, j'ai vu que... Genre, soit que votre mère vous avait tagué sur une photo de famille. Oui! Ça m'a tellement fait rire, puis c'est pas pour la photo. C'est vraiment parce que j'imaginais... Vous autres, avec vos amis qui se commandent des shit, commandent des affaires, genre, qu'il n'y a
pas de style d'allure. De comme genre, voilà, la calvitie! Et puis genre, plein d'air. Ouais, il paraît qu'il est défoncé sa poudre, lui! Genre, sur une affaire de photo de famille. Oh, wow. Hey. Genre, ouais, tu te fais un trait. Hey. Le pire, c'est que, genre, sur cette photo-là, on était genre le lendemain. Ben, c'est sûr. Ouais. C'était le lendemain. J'avais pas besoin de me le dire. Mais non, mais c'est parce que c'était un lendemain qu'on avait fait comme énormément de stock, là, tu sais. Genre, je pense que c'était plus donné que normalement. On est là-bas, puis là, je regarde la photo. Moi, tout ce que je vois, c'est mes cernes, là. Je suis juste comme, Chris, que je suis à moitié mort là-dessus. Mais vu que c'était l'été, le pêche, je regardais la photo. Après, toi, t'es comme... pas si pique que ça. J'étais comme, Chris, genre, ça paraît pas que j'ai dormi 4 heures, à peu près. Mais ouais, le pêche, ça... Peut-être parce que je te vois souvent dans cet atoll. Ouais, c'est juste ma c'est pour ça que je fais, ah, il est normal. Tu le vois le samedi, là. C'est la norme. Samedi, il est souvent Marc-Olivier. Il dit son propre nom. Marco! Comme un Pokémon. C'est... ça a été quoi, là, maintenant, ta meilleure surprise que tu m'as invité? Maintenant, quelqu'un qui, genre, tu t'attendais pas nécessairement à ce que le courant passe, mais que finalement, genre, ça a été... Ben, je te dis, honnêtement, ben, surprise, c'est comme un peu dur à dire, là. Ben, peut-être... Pierre Brassard, je m'attendais pas tant. Ah, c'est nice. Lui, surpris, ouais. C'est celui qui sort la semaine prochaine en plus. C'est Pierre Brassard. Ouais, mais je l'aime beaucoup, Pierre Brassard. C'était bon, le man. Puis, il doit être sympathique. Très punché. Ça paraît qu'il fait longtemps qu'il fait de la radio. Ouais, ouais, là. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, ceux que j'ai beaucoup aimé, c'est en site, là. Christian Page, puis Denis Talbot. Monsieur Net. Denis Talbot. Hey, honnêtement, lui, j'ai vraiment ri du début Christian à... Page, ah, c'est le... C'est le gars qui... C'est un enquêteur du paranormal. Ah, OK. Fait qu'on a parlé de plein d'affaires. Ouais, ça a duré trois heures et cinq, je pense, que j'en ai même. Ouais, trois heures et quart, c'est si on a parlé. Ben, puis Denis Talbot aussi, là, 2h50. C'est hot, man. C'est pas du monde qui ont pas... Tu sais, je sais que Denis Talbot avait un podcast, là, mais je veux dire, c'est pas du monde qui sont reçus normalement à des podcasts, genre. Ben, ouais. c'est ça que je suis content, parce que... Esti, tu sais, il y en a en tabarnak des podcasts, puis c'est tout le temps les mêmes... artistes. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je les reçois, ces artistes-là, mais en même temps, j'essaie d'aller d'un fois ailleurs, puis je trouve que j'ai une bonne variété. Tu sais, ma tante, je reçois quelqu'un qui a été beaucoup, tu sais, ma tante, on va dire Christine Morancy, tu sais, elle les a pas mal toutes faites. Mais de un, je vais essayer de poser des questions très différentes puis de rester ailleurs. Puis aussi, puis là, tu sais, ma tante, je vais recevoir un... je sais pas, là. Genre, c'est sur un Denis Christian Talbot. Page, un Denis Talbot. Au Québec, t'es probablement ce qui ressemble, ce qui se rapproche le plus de Rogan aux États-Unis, là, pour elle. Ben, honnêtement, je suis content qu'on me dise ça parce que c'est un Chris de beau compliment. Ben oui, absolument. Mais c'est Chris m'en pas voulu, là. Non, mais je te dis pas. Ben, ça veut dire que non, c'est non, juste non, que tu veux le copier, là. Non, ben, d'où d'un, j'écoute vraiment pas ça. T'sais. Non, je sais, mais. J'écoute juste Bill Burr puis Doug Stanhope. Mais c'est un compliment, je le dis. Je suis avec pour le copier. C'est fun qu'un humoriste qui fait un podcast soit pas juste centré dans le domaine de l'humour. Non, c'est ça, tu sais. Tu sors de surtout que t'as commencé à sortir, on dirait que ça devenait plus intéressant. Parce qu'on dirait que c'est une manière, tu finis par faire le tour, j'imagine, d'avoir tout le monde du même milieu. Ça revient un peu aux mêmes questions. C'est ça, même si les réponses sont tout le temps différentes. Ouais, mais t'as des patterns de questions qui reviennent pareil. C'est ça, tu sais, man. Fait que, tu sais, comme là, Mike, je vais le recevoir une troisième fois. Tu sais, ça va être genre plus à la fin octobre, à la fin à août. Puis, tu sais, j'ai déjà. Moi, genre, ça fait comme un an que je m'écris mes questions, là, tu sais, pour faire sûr que. Ouais. Que c'est des questions. Ben, de un. Les meilleurs, c'est ceux qui deviennent sur le flash. Puis, fait que, tu sais, si t'en as une gang de ça, puis que tu vois qu'il n'a jamais répondu ailleurs, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé de ça, ben, ça fait. C'est le fun à écouter. Ben oui, ben oui. Pour un fan, puis pour quelqu'un qui écoute régulièrement des podcasts. Là, en même temps, toi aussi, vu que tu traînes avec des fois, j'imagine que t'as des affaires que tu peux parler. Mais je traîne pas avec, pour vrai. C'est vraiment, c'est tout le temps dans un cadre professionnel. J'aimerais ça m'emmener de l'appeler, faire « Hey, bro, vas-tu souper? On va-tu? » Puis peut-être qu'il dirait oui, mais tu sais... J'imagine après le spectacle, vous... Ben, j'ai pas cette connexion. Ben, ça a jamais donné, en tout cas, jusqu'à présent. Mm-hmm. Ou sinon, ça peut donner, fait que... je sais qu'une fois, après mon podcast, on avait été manger ou en enfant de main. Puis tu sais, ça reste quand même... C'est ça qui est weird, d'avoir travailler avec être avec ton idole. C'est juste. Ouais. Tu sais, parce que tu sais jamais c'est quoi.
la relation. Ouais, ouais, ah, tu sais pas c'est quoi. Parce que t'overthink peut-être la... Ben dude, j'overthink que le tabarnak, tu sais, genre. Ouais, ouais, je comprends. Parce que, tu sais, tu veux tellement pas le faire chier, tu veux pas être de... Tu sais, puis en même temps, tu te dis, ah, ben Chris, il faudrait que je sois moi-même. Est-ce que le monde m'aime quand je suis moi-même? Je vais être moi-même. En même temps, tu veux pas être trop toi-même, pas qu'il t'aime pas. Là, tu veux comme... être la meilleure version de toi. Non, ouais, puis en même temps, tu te fais, hey, Chris, si je fais de quoi qu'il aime pas, Chris, en même temps, ça reste un peu mon boss parce qu'il me donne des gigs sur certaines affaires. Je veux pas perdre ça. C'est mon. Moi, pour moi, honnêtement, Mike, c'est un peu mon seul vrai allié qui me back là, en ce moment. Tu sais, j'ai. Il y en a beaucoup qui m'aiment et qu'on s'aime bien, mais tu sais, moi, Pat Grou, il m'a pas donné de gig, il m'a pas. Tu sais, il est venu à mon podcast, on a une belle complicité, on s'aime. Super bon eux, comme on se respecte, mais tu sais, il m'a pas donné de gig. Mike, c'est vraiment. Hey, il m'invite à sous-écoute, il me donne des premières parties. Quand j'y écris pour demander des conseils, quand j'ai reçu Pogo de Conneries Québec, il y avait. D'autres, c'était l'invité le plus haï de mon podcast. Puis avant même qu'il fasse le podcast, fait que tu sais, tout le monde chiait dessus, puis il disait que j'invitais le Gad Elmaleh des mimes. Puis moi, ça me stressait un peu. J'ai appelé Mike pour lui demander conseil. Puis Mike, est-ce qu'il m'a répondu? Puis il m'a dit, puis en même temps, il me parlait du billboard qu'il allait faire le lendemain. Fait que tu sais, genre, il est super cool avec moi. Puis tu sais, du bon de même. Ben d'où tu veux pas perdre ça dans ton entourage? Parce que c'est sûr, tu il m'apporte beaucoup professionnellement, beaucoup amicalement. On a des crises de belles soirées. Puis en même temps, tu veux pas que ton idole t'haïsse. Ben non, c'est sûr. Il y en a bien qui disent ça. Il y en a bien qui disent ça, de jamais rencontrer tes idoles. Là, comme ça, tu es sûr que jamais tant tu vas être déçu. Ouais, mais là, parce qu'à guess, puis pour la fois que jamais en amour, t'auras jamais de peine d'amour. Là. Ben, je suis pas fait. Je suis célibataire. Je te l'ai jamais dit, Jer, là, mais j'aimerais ça qu'on aille genre chez Dairy Queen ensemble une matinée. Ouais. Il parlait d'adopter. Je pense qu'on... Ça va se faire, bro! Yes! Fais chaud! Banana split, motherfucker! Non. Quoi, banana split? Non, jamais je vais y aller! Fuck off! Astiqué! Change ton chakra! Mais t'étais-tu... Tu devais être nerveux, j'imagine, les premières fois que tu le rencontrais. Puis même toi, quand ça devenait, mettons, genre plus... Ben, les premières fois, vraiment, mais après ça, je la jouais... J'étais très nerveux, mais je la jouais cool. Ouais, ouais. Puis sûrement que même... Peut-être je sonnais peut-être même peut-être prétentieux. Là. Mais non, quand que. C'est quand la première fois que. Non. Ouais, dans le fond, après le deuxième sous-écoute, c'est là que j'ai fait. Ah, il m'aime bien, tu sais. OK. Ah, je pense qu'il me trouve cool, tu sais. Parce qu'il m'a donné. En même temps, Mike, je pense pas que c'est quelqu'un qui laisse tant paraître ses émotions, là, tu sais. C'est un peu... Puis je trouve ça nice, tu sais, que t'sais, la génération d'hommes qui... Tu sais, genre, je t'aime, je suis avec toi, puis pas besoin de te le dire à chaque 30 secondes, là, calice, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça cool, mais tu sais, quelqu'un qui est un peu insécure comme moi, ça va rester dans ma tête. Qu'est-ce qu'il pense de moi, il m'aime-tu encore? Ah, ouais, c'est ça, t'sais. Mike, mais tu m'aimes-tu? Il est super cool, tu sais. Puis même, tu sais, comme en parlant de ça, je fais... Chris, si écoute ça, tabarnak, il va me juger. Il écoute clairement pas ça. Non, clairement pas. Les autres qui écoutent ça, je serais flatté que le tabarnak. T'es où, Mike? Pourrait rendre juste comme, bah, gars, on peut arrêter le podcast, on a topé ce que je voulais. Mike, faut l'écouter. Non, c'est sûr. Il peut y passer, il a écouté. C'est ça. Moi, ce serait les frères Taloche, mais on n'a pas tous les mêmes buts, là. Quoi? Faut que ça pas marché. C'est triste comme pète. Oh. Ça a fait mal dans mes oreilles, Jer. J'ai des écouteurs. Esti. Ça, ça t'a dit ça la dernière fois que t'es venu ici, ce qu'on a fait. Hein? Je peux. Qu'est-ce que ça? Ça sonnait comme si on s'avait enculé. Ouais, ouais. Ouais, le 69 de cul, là. T'as-tu fait le high-five? Non. OK. En tout cas, au pire, voilà, ailleurs. Non, c'était quoi? Ben, de quoi tu parles? Le Martin Turgeon? Ben oui, dude. Mon chum Martin. Ah ouais, hey, dude, c'est-tu Martin Turgeon? Lâche-les, Martin Turgeon, Marco, tabarnak. Mais tu l'as-tu vu en show? Oui, hein?
J'ai... Oui, ça avait un show. Ouais, ben on a vu des vidéos de lui là avec la tune de Tonight's gonna be a good night. Ça a joué toute la nuit. Oui. Hey, mais c'est tellement quétaine, tu sais. Hey, man, son réalisateur a fait non, non, on va mettre Tonight's gonna be a good night. Le monde va avoir du fun, ils écouteront plus les jokes. Ben oui. Le monde va avoir du plaisir. Méchant, mais le pire, c'est que ça marche, les affaires. Là. Ah oui. Ouais. Ça marche pour mais vrai. Mais il vole ses premières parties un petit peu. Là. Ben, c'est que Martin Turgeon, il faisait un concours avant où que les humoristes sur le spectacle, fallait qu'ils vendent des billets. Puis s'ils réussissaient pas à vendre des billets, fallait qu'ils payent de leur propre poche. Non, oh, puis ouais, ouais. Hein? Puis, mais, en tout cas, à sa défense, ça a l'air que ça se faisait dans ce temps-là. Moi, j'ai pas. Je viens pas de cette génération-là. J'étais arrivé. Peut-être un ou deux ans après, c'est après que ça se faisait plus, ça, tu sais. C'est tout de cul en crise d'appeler ça un concours, là. Mais, gars, tu sais, Asti, man, dans le temps, Asti, ils battaient leur femme, puis c'était la norme, là, tu sais. Non, c'est vrai. Puis aujourd'hui, en quand 90, regardes ça, tu fais, ben, tabarnak, pourquoi ça n'a pas réagi, tu sais? Hey, dans le temps, ils guillotinaient des gens. Fait, ouais, pour ils ont tué le roi de France, calice. Ils ont pendu Saddam Hussein. En 2007. Voyons donc! Mais honnêtement, à la défense de Saddam Hussein, Martin Turgeon. Non, mais dans le temps, quand Saddam Hussein était là, tu sais, c'est là que tu vois, maintenant, tu sais, le positif et le négatif de certains régimes politiques. Parce que Saddam Hussein, il faisait plein d'affaires épouvantables, ouais. Là, mais. Chris, il n'y avait pas la guerre, là. C'était pas la guerre civile là-bas. Non, là. C'est clair, le monde, dude, c'était beau, là. Si tu regardes des photos de avant ouais. Que les États-Unis s'en mêlent, là, gros, c'est tout pété là-bas. Gros. T'as eu plein de bombardements. Même affaire avec la Syrie et ces affaires-là. Hey, dude, en ce moment. Puis ça, c'est. Ben, en tout cas, ça, c'est moi qui pars avec mes théories du conspirationniste. Ouais. Mais tu sais, la CIA, tout ça, c'est sûr qu'ils se sont mêlés là-dedans pour justement faire enlever les dictateurs, ouais. Mais. C'est pas si. Hey, dude, si tu checks ça, hey, dude, au Yémen, tabarnak, il y a la plus grosse famine que ça se peut pas, là, tu sais. Puis, à cause, justement, les tribus rebelles, ils en ont profité pour s'accaparer de ça. Puis là, ça fait qu'il y a une guerre civile. Et... Ouais. Puis là, ça fait qu'il y a plein de monde qui meurt à chaque calice de jour. Puis là, à TV, tout ce qu'ils vont passer, c'est genre. Des affaires de hey, « aujourd'hui, c'est la journée de la crème glacée! Oh, » oh, oh. 12 pouces, 5 dollars! « De la crème glacée? Hey, avez-vous vu le nouveau style à Céline Dion? Hey, Céline Dion ne ressemble vraiment plus à ce qu'elle ressemblait, hein? » Mais voyons donc, elle danse bien trop sensuelle avec ses danseurs. Tabarnak! Ouais. Hey, y a-tu de quoi qu'on s'en calisse? J'ai eu cette histoire avec ma mère, en plus, le style d'affaire qui a eu comme un jour de scandale parce qu'elle dansait avec son danseur. Ma mère, elle était comme genre « Ouais, mais là, moi, j'aimerais pas ça. Là, si mes enfants verraient ça, je suis comme, ouais, mais Chris, ça fait pas des shows pour ses enfants. Hey, c'est pas ça, pantoute. C'est genre, c'est juste elle qui parlait que, genre, tu sais, elle devait être juste mal à l'aise parce qu'il y avait une vieille ou un vieux qui fourrait avec un jeune. Ben, elle était insécure, peut-être. Là, genre, comme. Même ça, on s'en calisse. Ah, on s'en calisse. Oui, dans un show. Ben oui, on s'en calisse. C'était tout de pas le rapporter, ça, calisse, man. Ça fait un peu de dommage avec quelqu'un, puis la personne commence à sortir des potins de stars, puis de mon tête, c'est. J'étais comme, OK, pourquoi j'en ai quelque chose à chier? Je sais même pas c'est qui, ce gars-là. Ah ouais, tabarnak. Ah, c'est de la smart. Mais tu parlais de Saddam Hussein. T'as-tu vu le film La doubleur du diable? Ouais, c'est bon, c'est man. Bon, tabarnak, ça. Ah, c'est fucké, parce que tu vois, ben, en tout cas, pour spoiler alert, là. Tu vois, pour ceux qui, à la fin, là, tu vois que, tu sais, tout se retourne contre le gars, là, tu sais. Ouais. C'est fucké en calice, man. Ouais, Christmas, là. Le gars qui arrive dans un mariage, puis, ah, je veux elle. Puis il va fourrer la mariée. Ben, tu sais, c'est ça. Suicide après. Mais, tu sais, honnêtement, ça, c'est un peu ça, le communiste, tu sais. Genre, le. Tu sais, le communiste, genre, c'est comme sur papier, c'est fucking beau. Tout le monde en profite. C'est genre la meilleure affaire au monde. Mais ça finit tout le temps parce qu'il y a une personne qui va prendre de plus en plus de pouvoir, ouais. qui va en profiter plus que toutes les autres. Ouais, pis... parce que c'est pas parce que tu partages les richesses que tu partages les pouvoirs. Genre. C'est ça le. Ouais. Calice. La crème. C'est quoi, tu veux ma crème, hein? Tu veux ma crème? Tu l'as vu, cette crème, hein? La crème. T'en foutre toutes les couleurs. Voilà, j'entendais Jacob dire ça, puis j'ai réalisé après, ça part-tu des. Danny Jacob! Ouais. Mais ça part-tu de Inglourious Bastard?
Mais dans le film, il est comme « Attendez la crème! » Ah non! Non. Hey, moi, dude, ça en plus, moi, Inglourious Basterds, ouais. Je sais pas, je te l'ai dit, j'ai écouté ça, c'est Mushroom. Hein? Ah ouais? Hey, dude, quand que la passe, parce que ça prend quand même un peu de temps avant qu'il décalisse la face à coup de batte. Ouais, au début. Mais, dude, moi, j'étais buzzé en tabarnak quand ça a popé, ça. Mais tout le monde écoutait pas le film, fait que je l'ai comme écouté comme à moitié. Mais tabarnak, j'étais J'étais fucké. Cette scène-là est tellement violente en plus. T'as juste le gars qui accote le batte à côté de la face, puis commence à le défoncer, ça dure 3 secondes. Puis tu le vois, puis tu le vois même pas, c'est juste, tu vois. Mais l'ambiance. Mais tu vois, tout le monde ressent à l'entour. Tu ressens le côté genre inhumain de la chose. On a déshumanisé une personne parce que c'est un nazi puis il a fait de quoi. On va le tuer. T'as le gars qui demande, dis-moi, sont où sa map, tes alliés, puis on te laisse la vie sauve. Le gars, il fait, non, je veux pas. Mort à vous, puis vos chiens de juifs. Oh, parfait, on espérait ça. Puis il dit, c'est encore mieux que le ciné, genre. Oh, wow. Oh, tu sais que c'est une bonne scène. Toutes les films, man, esti de... Tarantino, ouais, man, gros, esti que c'est bon. Il en sort un nouveau, là. Once Upon a Time of Hollywood. Ça va être avec Brad Pitt. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Je pense que j'avais joué ensemble dans un film, les deux. Je sais pas qui j'ai entendu des mauvaises critiques, mais je me rappelle plus qui. Mais je pense qu'il y a souvent des mauvaises critiques... Mais il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti? Ben, dude, il sort tout le temps plus aux États qu'ici. Ouais, tu sais, comme ici, il va sortir ici avant d'aller sortir à Gatineau ou à Québec. Ouais, c'est vrai. Fait que. Ou sinon, peut-être, c'est comme un côté média qui ont eu le droit. Ouais, peut-être. Ou, Mais il va clairement sortir avant Gatineau, là. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est Mais sûr. Mais t'avais-tu aimé avant 8 for 8? 8 for. Honnêtement, j'aimais pas ça, je faisais « Ah, ça va être pourri ». Je l'ai écouté, puis ça a été un autre classique pour moi. Ouais, c'est un film que je réécouterais. Ouais? Wow! C'est genre le film, j'ai trouvé long un peu, parce qu'il y en a un moment... C'est un peu long, mais tu as-tu écouté Buzzé ou Sous? Non, non, j'étais bien à jeun. Ah ouais? J'étais bien à jeun. Ah ouais? J'ai écouté Sous, ça a été un peu long. Mais je l'ai réécouté à Jean, j'ai fait « Oh non, il est bon. » La scène à la fin, quand il parle de la fille, mon gars, c'est tellement malade. Mais c'est parce que tu sais, les longueurs font... Ouais. Que t'attends encore plus qu'est-ce qui arrive. Puis là, quand arrive le punch, c'est un bon punch. Puis là, souvent, ils te ramènent ça de... Ouais. Tu comprends pourquoi que c'était long de même à cause de la fin. Tu sais, ouais, c'est clair. Mais c'est ce que je trouvais, contrairement mettons, aux autres films, mettons, tu sais, Inglourious Basterds, c'est plus tight. C'est pas plus tight. Il y a des longues scènes de dialogue, mais mettons, à tout à peu près les 20-25 minutes, il y a au pire une scène d'action qui dure vraiment pas. Qui dure au pire 30 comme secondes. Comme Pulp Fiction. Mais dans ceux-là, man, ça prend quasiment 45 minutes à 1 heure avant qu'il y ait une scène d'action, à part le coup de coude qu'il donne dans face de sa blonde dans Calèche. C'est pas sa blonde. Ouais, en tout cas, une fille. C'est pas sa blonde. C'est son esclave. Il l'écoutait, il était sous. Sa prisonnière. Ouais, ça va la faire. À part cette scène-là, c'est que ça prend quasiment genre 45 minutes avant qu'il y ait une première scène d'action. Mais c'est parce qu'en tout cas, je veux pas te contredire, mais. Non, mais c'est parce qu'il installe tellement les personnages. Là, tu catches, mais puis aussi tu catches et quelle époque aussi. Ouais. Je pense que c'est surtout ça l'affaire. Ouais, ouais. Tu sais, parce que c'est une époque où ce que. Ouais. Hey, tu vois, il y en a, ils marchent pendant longtemps. L'autre, esti, même si c'est une calèche, tu sais même pas si tu peux te rendre à ton. Tu sais, c'est comme si c'était une autre époque. Là, quoi? Nous autres, on ne catche pas c'est quoi. On a des cellulaires, on a le GPS. On a tout. On a l'air climatisé dans notre char. Eux autres, bah oui, nous autres, on a le trafic. On est comme tabarnak! Est-ce que c'est de la merde? Si, voyons là, puis t'essaies de couper tout le monde. Mais non, mais chaud, ils ont monté le prix des fives, esti. Voyons donc, ils ont plus de paille d'un bord, esti. C'est pas achetable, les avocats, calice. Elle a monté à 6$. Fait que t'es tellement cool toi-même. Je sais. Mais en même temps, fait que, genre, tu sais, genre, c'était ce petit film-là, tu catches comme, c'est quoi l'ambiance? Puis aussi, c'est ça, c'est comme, c'est où cette place-là? C'est quoi? Puis avant, c'était quoi? Parce que là, avec plus ça avance, tu catches que finalement, c'est que c'est quelqu'un qui a pris possession de cette place-là. Puis que l'autre, il jouait le jeu de pas savoir c'est quoi, mais dans le fond, il s'en vend tabarnak, qu'est-ce qui se passait? Ouais, c'est vraiment bon. J'écoutais aussi cette semaine. J'écoutais King Creole, tu sais, le film de Elvis. C'est un film de comme 58. Je vais arrêter de te parler à ce moment. OK. C'est quoi ton film préféré de Tarantino? Non, je vais Ouch! Non. Hey, c'est vraiment pas cool! Ça a été mal qu'on continue.
Ça a été malade qu'on continue, puis il a juste fini comme oh. C'était juste, en tout cas, parce que ça se passe en 58 dans le film, tu comprends? Fait que c'est hot de voir. Mais c'est un film d'Elvis Presley. Ouais, exact. Puis il est bon. Ils sont pas tous bons pour sur vrai? Elvis. Ben, en général, c'est du placement de produit. Là, non, mais celui, ouais. En général, oui. J'ai écouté dans la même semaine aussi Viva Las Vegas de Elvis de 64, je pense. Puis c'est fucking pas bon. C'est vraiment dégueulasse comme film. Mais Bagarre au King Creole, c'est vraiment bon. Ça se passe en 58, ça a été fait en 58. Ça a été fait en 58, puis ça se passe en 58 aussi. Je suis pas mal sûr. Mais honnêtement, je suis sceptique qu'un film de 58 que je vais trouver bon. Là. Non, pour vrai. Ouais, tu vas être surpris parce que des fois. Les films d'Alfred Hitchcock pour vrai sont bons, man. Ça a bien vieilli quand même. Ben, c'est juste la manière qu'ils faisaient le cinéma à cette époque-là. Genre, c'est parce qu'ils prennent pas des chemins autant empruntés qu'aujourd'hui. Tu comprends? Ouais. Genre, ça s'est raffiné avec le temps. Des fois, il y a des affaires qui sont moins bonnes à cause de ça. Mais même à ça, tu le verras pas nécessairement venir, l'histoire, comment elle va se comporter dans. Mais je pense que, comme tu disais, avec le film de Tarantino, il prend le temps de bien te mettre. Dans le contexte puis tout ça, puis quand t'écoutes un vieux film, faut que tu te mettes en contexte. Il n'y avait pas la technologie qu'il y avait c'est dans le temps. C'est ça. Faut que tu le fasses toi-même, faut que tu le fasses avant de. Genre, si tu veux écouter Vertigo de Hitchcock, là, tu vois le gars qui tombe genre dans le vide, mettons qu'il tombe en bonne heure, toi, puis tu vois juste, mettons, genre comme. C'est quasiment de la city de merde en arrière. On dirait quasiment que c'est comme un décor qui file, genre c'est sûrement ça. Ouais, sûrement. Hey, dude, moi, j'ai écouté le film Apocalypse Now. Ouais. Récemment, j'ai trouvé ça à chier, man. Puis ça, c'est un esti de bon film. Je pense que ça a gagné des prix. Ouais. Ça a été nominé. Là. C'est que le père d'Emilio Estevez. Mais c'est clair que c'est un bon film. De Charlie Sheen aussi, Mais c'est que moi, j'étais pas le public cible. T'as-tu aimé Full Metal Jacket, non? Un autre film de guerre? Je l'ai pas écouté. T'as pas vu? Là, c'est parce que, genre, d'un fois, je fais comme. Ah, quel film je vais écouter? Ah, j'ai entendu parler de ça. Je vais aller. Puis, Full Metal Jacket, ça, c'est avec celui qui crie ses autres, là. Ouais, exact. Ouais, c'est qui. Ben, gars, je l'ai pas écouté ou je pense que je l'ai écouté plus jeune. Faudrait que je le réécoute, là. T'as-tu vu d'autres films de Stanley Kubrick? As-tu vu, genre, Orange Mécanique? Puis, J'ai jamais écouté Orange Mécanique. Ça a l'air que. C'est le film des hipsters, là, genre. Ben, mais non. C'est comme dans les années 70, puis c'est genre une gang. Ils violent quelqu'un? Ouais, le film commence avec ça. C'est le genre de gang de rue qui s'habille, genre, mettons, avec des genres de. Des soutes blancs avec des cannes. Ouais, avec des cannes d'âge, puis ils tabassent du monde, puis eux autres, c'est comme l'ultra-violence. Genre, c'est ça qu'ils prônent, dans le fond, là. Fait qu'ils vont dans des genres de bars, ils pognent des genres de lait avec de l'acide dedans, puis tout, puis ils sont violés des filles, puis battent du monde, genre. Ouais, c'est punk en tabarnak, là, pour eux. Ah ouais, mais c'est l'anarchie. C'est pour eux, c'est rough en tabarnak. Il y a tellement plein de bands punk, en plus, qui se sont basés là-dessus pour faire des tunes, là, mettons, The Exploited, puis des. Puis c'est quoi le message en arrière d'Orange Mécanique? Y a-tu un de quoi? T'as le gars qui. Dans le fond, t'as le. C'est des viols. Honnêtement, c'est le gars, mettons, qui est jeune, mettons, il se ramasse dans des gangs de même, puis clairement, le gars, c'est un psychopathe. Puis là, il finit par se ramasser en prison pour être soigné. Puis là, eux autres, ils essaient de faire une thérapie pour plus qu'il ait envie de ça. Fait que là, il est plus capable de donner de la violence. Puis surtout qu'il y a de la violence qui arrive, il y a des nausées. Puis, à la fin du film, il est plus capable de vivre de même parce que surtout qu'il y a des confrontations, genre, il se met à paranoïer puis tout. Fait qu'il essaie de se suicider, puis quand il essaie de se suicider, il resnappe à la violence, puis là, il est heureux. Fait que c'est comme le gars qui veut revenir comme il était. Fait que genre, il est heureux en faisant de la violence. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça qui le rend heureux. Fait que lui. Ah, ben honnêtement, c'est pas un bon message à lancer, mais ça fait. C'est très différent comme film. Ouais. C'est vraiment bon. Il y a peut-être un message de fond derrière ça aussi, comme mettons. Une fois que t'es qu'est-ce que t'es, tu changes pas. C'est ça, exact. Tu veux pas changer à personne. Le gars, aussitôt qu'il a changé et qu'il pouvait plus faire ce qu'il aimait faire, il a décidé de s'enlever à la vie. Puis finalement, ben, genre, ça l'a juste ramené à la réalité. Fait que là, il commence à être heureux. Là, dans la scène, tu vois, il est juste genre, tout dans le plat, puis il sourit, puis il se fait nourrir par du monde. Puis clairement, tu vois dans ses yeux, il est comme je vais tellement te violer tantôt. Je vais l'écouter, cette femme. C'est vraiment bon pour eux. C'est vraiment bon. Puis le début, il est trash en tabarnak, par exemple, pour elle. Même pour un. Tu payes qu'histoire de peine? Ouais, vraiment. Je pense que ça veut dire histoire de jouet. As-tu vu Toy Story 4? Non, je pense que j'aimerais ça y aller le voir. Ouais, on est allé le voir, c'est bon, en tabarnak. Ben, moi, j'ai un peu de la misère avec Toy Story parce que le 3, c'est le dernier film que j'ai écouté avec ma mère avant qu'elle meure. Vraiment pas longtemps avant qu'elle meure. Elle était quasiment plus capable d'écouter ce film, tellement qu'elle était sa morphine et le cancer était avancé. Là. Fait que j'ai comme vraiment de la misère avec. Il est vraiment moins triste au moins. Non, mais je faisais genre comme genre. Ah, ma mère, mon gars!
j'étais comme... Hey, mon gars. Ah. Hey, mon gars, la dernière scène, quand son enfant rit puis qu'il accepte la mort puis qu'il se tienne la main, mon gars, t'as dû capoter. Ben, en même temps, honnêtement, quand tu vis le cancer de même, tout est lourd. Fait que moi, mon système de défense, c'est que je trouvais tout drôle, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je regardais ça, je fais comme, ah, mom, t'es drôle, tu sais, quand on lit, c'est ça. Ils vont mourir comme toi, mom. Il a écrit ça pour nous autres, tu sais, genre des shit de même pour détendre l'atmosphère. Ouais, ouais. Ah, c'est d'être lourd pareil. C'est bon. Ben, d'où t'es plus là, tabarnak, t'es ben trop buzzé, ça m'a fait. Ouais, c'est clair. Ça doit être tough. C'est comme, genre, le dernier film, j'ai pu écouter avec, tu sais, je me souviens, j'avais comme. Dormir avec comme un enfant de 8 ans. Ouais. Là, quand... maman! Puis, mais après ça, c'était comme ça. Comme même pas la fin de l'été. Même pas la fin. Est-ce qu'elle est morte en. Le. Après, je me souviens plus de la date. Ah, le 15 juin 2011. Fait que, tu sais, genre. C'était comme le début de l'été. Fait que, genre, ça, c'était en mai. Genre, ça avait sorti un peu. Fait qu'on l'avait vu. Puis, genre, un mois après, elle crevait. Tu étais avec quand elle est morte ou. Non. Non, parce que le style d'hôpital, c'est de la calice de marde. Puis ma tante, qui est sa sœur, est infirmière. Fait qu'elle a tout le temps pris soin d'elle, tu sais. Ouais. Puis, ça, c'est ma tante qui l'a amenée jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, au moins, elle était bien. Ouais, au moins, elle était pas. Ouais, elle était pas dans un style d'hôpital. De la calice de marde, tu sais. Puis, non. C'était une belle mort, je trouve. Ben, c'est de la marde de cancer à 49 ans, là, mais tu sais, dans... Ouais, morte de vieillesse. Tu sais, mourir du cancer, je trouve que c'est la plus belle mort que tu peux avoir dans la section du cancer. Ouais, je comprends. Ben, moi, elle était défoncée. Hey, gros, honnêtement, puis ça, j'ai écrit des blagues là-dessus, là, mais je trouvais ça un peu dur d'avoir sur de la morphine parce que je voulais en faire, moi, tout. Oh, t'es sérieux? Ouais, je la regardais. Je le regardais, puis elle, c'était tout le temps par injection, puis c'est pas dans le bras, là, c'est comme dans le soulier, tu sais, parce qu'elle est tout le temps pluguée. Puis j'étais comme, hey, j'aimerais ça en faire de la morphine. Ouais, t'es comme, hey, partage-moi. Non, ben, tu sais, j'étais comme, elle était comme, hey, vape, là, tu sais, puis j'étais comme, hey, les deux, on pourrait être là ensemble. Ah oui. Après, écouter un film. Ah, j'aimais, honnêtement, je voulais vraiment. Ah, mais en même temps, tu veux pas ça, là. J'avais dit à mon frère, bien fait. Hein? Puis je vois, il me jugeait un peu, fait que j'ai arrêté d'y en parler. Mais ouais, je voulais vraiment. Puis tu sais, ça, quand j'en dis aux autres, ils font ah, ah, puis ils rient, puis ils pensent que c'est un gag. Mais c'est vraiment vrai. Ah ouais. Je voulais faire de la morphine avec ma mère. Ben, c'est pas mal, surtout quand tu te l'injectes directement, c'est pas mal l'équivalent de l'héroïne. Genre, c'est. Ah, peut-être. Moi, j'avais un de mes chums qui travaillait à l'hôpital, puis il avait réussi à en envoler. Ah ouais? Il avait volé de la morphine. Je suis comme, that's it! En pilule, genre? En flocon. Ah ouais? Fait que là, si ça, c'est du peu concentré. Très nice. Mais gros, je vais pas m'injecter, ben tabarnak. Puis si tu te bois, si ça bosse pas, ben ça, non, c'est pas que le chier ou le pisser, là, tu sais. Ou, tu peux te mettre dans le cul, ouais, ben peut-être, là. Mais, tu sais. Fait que là, j'étais comme. Calice de graines, vole des pilules. Ouais, si, vole. Je peux pas être un fucking junkie. Vole la codéine, tabarnak. Esti, vole quelque chose qu'on va buzzer ensemble. Ah ouais. Des suppositoires, esti. Le suppositoire, je l'aurais pris, tabarnak. Mais c'est comme dans le film Trainspotting, là, genre, je sais pas si tu l'as vu. Non. Parce que c'est une affaire de junkie, puis là, de manier, genre, le gars, il décide d'arrêter de faire de l'héroïne, puis là, il se fait comme une espèce de kit, genre, pour comme sembler se barricader, genre, il y a comme un seau pour chier, un seau pour vomir, puis tout. Puis, là, il est comme, OK, là, pour le Chris. Le sevrage, dans le fond, il veut aller chercher, genre, un dernier fixe d'héroïne. Puis là, il arrive au gars, puis le gars, il fait, ouais, j'ai juste des suppositoires de morphine. Il dit, tout ce que j'ai, mais ça fonctionne. Il fait, tabarnak, tu m'y es-tu? Le gars, il achète des suppositoires. C'est sûr qu'il l'a pris. Ouais, il l'a pris. Là, ah ouais. Tu veux, ouais. Il a même pas il devrait même pas avoir le droit de chialer. Ben non. Parce qu'il sait qu'il va l'acheter. Ah non, c'est clair. Là. Ah! Ça fait mal de la pire affaire, les sevrages d'héroïne. J'ai entendu des témoignages de ça. Là. Ça a l'air que genre, les autres, ils sentent toute leur peau qui leur brûle. Dude, c'est la pire affaire. Ah, un sevrage d'héroïne, moi, j'en ai jamais fait. Ouais. Mais de qu'est-ce que j'ai entendu, c'est t'as des crampes, genre, comme les plus grosses crampes. Genre, t'es en boule en train de shaker,
t'es en manque, ben, tu sais, genre, tu sues comme jamais te sues, t'es étourdi aussi. Ouais, tu sais, quand t'as des acouphènes, tu sais, des. T'entends le son, là, puis tout ça, puis tu perds un peu le ballon. Mais genre, t'entends pas le son, mais tu perds le ballon exactement comme ça, là, tu sais. Puis t'es genre tout le temps dans un vape à plus jamais. À... Ça doit être l'enfer. Puis genre, c'est ça que je trouve ça cave. J'en ai déjà parlé en ce podcast-là, mais les compagnies de cigarettes, ceux qui font... non, c'est pas les compagnies, là, mais ceux qui font la sensibilisation des cigarettes, ils disent que la nicotine, c'est comme un manque d'héroïne. Okay, c'est calissement pas la même affaire. Ouais, j'ai entendu ça. Mais gros, il y a rien qui est comparable à ça. Là. Non. J'ai jamais vu personne qui avait besoin de. Ben, ouais, j'avoue, il y a les patchs, là, mais genre, tu sais, l'héroïne, si t'arrêtes souvent, mais t'as la méthadone. Sinon, ton corps va shut down. Le monde qui arrête l'héroïne vont fumer à cigarette à ce type pour justement arrêter. Ça te montre-tu à quel point que. Le bon qui arrête les unes envie ceux qui arrêtent d'arrêter la cigarette. J'ai rencontré une manière un doux, on s'en est voir un show de punk, puis genre, on était en train de boire de la bière à une place, puis genre, un étudiant qui se pointe, puis genre, une quête, une bière, puis on jouait avec un peu. Il a dit qu'il était sa méthadone, qui avait arrêté les reines, puis je voyais des spasmes, puis tout. Puis, du haut de mes 16 ans, c'est genre, hey, tu veux-tu une gomme? Dans ma tête, ça allait aider. Le gars, il était juste me regarder. Une gomme. J'avais genre 16 ans, mais. Ouais. Tu fais comment? C'est comment? Je vais essayer de l'aider, je vais donner une gomme. Je voyais qu'il comprenait ce que j'essayais de faire, mais j'ai vu dans ses yeux, c'était comme. L'intention était bonne. Calice de ta gomme. À quelqu'un qui arrête les rayons, tabarnak. Ouais. Ouais, ça doit être. Avez-vous vu Ray Charles? Le film? Ouais. Non, ouais. Avec Jimmy Ray Fox. Jamie Foxx. C'est combat avec Stevie Ray Vaughan. Ray Vaughan, ouais. Ouais, je l'ai vu. J'ai pas détesté, mais j'ai pas complètement capoté ce film-là non plus. Non, ouais, moi j'ai des réécoutes plusieurs fois. Ah ouais? C'est un de tes biopics préférés, mettons? Il fait partie des films préférés. Ouais. À un moment donné, moi j'ai fait l'herpès buccal. L'herpès oculaire. OK, ça c'est. Si tu disais buccal, c'est pas l'herpès oculaire, c'ti. Ça veut dire que j'ai l'herpès dans l'œil. Ouais. Oh, t'es un gars de cils, toi. Non. Ben. T'es un gars de cils. Non, moi c'est ça, je fais des feux sauvages, qui est l'herpès buccal. Ouais. Ah, fait que, OK. Puis dans des. Les plus répandus, des fois, que ça va ressortir, c'est dans les narines ou sur les lèvres. Puis, très, très rarement, mais ça peut arriver, ça peut ressortir par les yeux, tu sais. Oh, shit. Puis moi, ça m'est arrivé une fois. Ça doit être désagréable. Oh, ben, justement, j'étais à ton resto quand ça avait arrivé. J'avais un show. Ouais, fallait que je mette mes... Tu filais pas la fois que je t'ai vu à mon resto. C'est ça, man. Fallait que je mette mes gouttes dans le réfrigérateur parce que faut que je me mette des gouttes à chaque 2 heures dans les yeux pour justement tuer cette affaire-là, là, tu sais. Puis faire sûr que ça soit vraiment mort. Puis, ouais, c'est ça, parce que l'affaire, c'est si tu traites pas ça, puis moi, encore une fois, moi, le gars, il me dit, ouais, tu fais de l'herpès oculaire parce que j'ai... Moi, man, c'est le lendemain de ma fête. Fait que là, tabarnak, si j'ai comme un œil de même fermé, ben arrête, je suis comme qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que j'ai une conjonctivite ou un pinky eyes en anglais, tu sais. J'ai un de mes chums, que c'était drôle, il m'a pété d'en face, c'est-tu, parce que c'est drôle, c'est-tu. Fait que là, moi, je pensais que c'était ça. Fait que là, j'ai mal à l'œil, puis là, mais je me rends compte, j'ai beaucoup trop mal à l'œil. Ça fait vraiment mal, puis je suis pas capable de le fermer. Genre, c'est insupportable. Fait que là, moi, je m'en vais chez le docteur des yeux, là, je sais pas comment on appelle ça. Raphaël. L'acupunctrice, non. Non, c'est optométriste. L'optométriste, ouais. Dirait ça. M'envoie là, puis le gars, il fait ses tests, tout ça, puis il me dit que, hey, t'as de l'herpès oculaire, puis... On a des lunettes pour ça. Tu peux te rendre aveugle. 800 piastres. Tu peux te rendre aveugle, si tu as avoir ça, puis... Ouais. Ben, moi, aussitôt qu'il dit ça, même affaire qu'avec Michel Grenier, j'arrête d'écouter tout ce qu'il dit après. Puis je suis comme tabarnak, je vais être le premier Maurice à être si aveugle, puis... Mais lui, il me disait, vu qu'on va le traiter, ça va être... Dans 2 semaines, ça va être parti, là, tu sais. Ouais. Il n'y aura aucun problème. C'est vraiment genre avec des fois en Afrique où il n'y a pas de médecin. Ou ouais. Le médecin, c'est genre un esti de. Il met de la fumée dans l'œil. Ben, c'est ça, de la fumée avec la tête battue. Puis il est comme. Puis il crache dans la face.
Fait que, puis là, il est comme, avec les démons vont sortir, tu sais. Puis, mais fait que là, tu sais, c'est ça, je mettais mes gouttes, puis, ouais, c'est ça, je pensais avoir perdu mon œil. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, par exemple. Ah, c'est intéressant. Sinon, c'est quand même un bout qu'on enregistre. Je pense que j'aime bien ça finir cette question-là. T'as-tu des anecdotes de show de marde qui sont arrivées dernièrement? Ben, une fois, tu m'avais arrivé avec ça, puis encore une fois. Ouais. Moi, si tu me le dis pas d'avance, je pourrais pas t'en je sortir sais. Sur le tas. Attends, j'ai autre question. Mais non, mais je sais que je me souviens de la dernière fois, j'aurais pu je répondre sais. Ça. Je sais, quand j'ai vu tes yeux, j'ai fait, oh, tabarnak, c'est vrai. Il m'a dit ça la dernière fois, j'aurais dû. Exact. Mais, hey, j'ai fait un show, man, à Lévis. Dans une université, puis les universitaires, ils ont bien beau être éduqués, mais tabarnak, qui sont des hosties de tonne marde d'un fois, là. Moi, je fais un show. Oh, ouais. Non, c'est pas toi. Surtout pis, toi! Dude, man, le show, là. Moi, je suis le headline, faut que je fasse 30 minutes, puis je vois tout le monde qui. Je vois comment que le show se passe, est-ce que les humoristes du début qui sont... personne n'écoute le gars qui anime. Il n'est pas nécessairement capable d'animer parce qu'il fait pas ça. C'est comme une de ses premières ouais. fois. Ouais. Puis pendant que lui, il est sur scène... Tu sais, moi, je suis l'humoriste invité. Je suis pas supposé faire ça. Je m'en vais voir, je m'en vais côtoyer les barmaids puis les barmen pour faire comme, « Hey, des lumières, là, c'est-tu possible d'éteindre puis qu'on allume juste la spotlight? » Puis que j'avais déjà dit au gars, mais le gars était peut-être trop gêné pour ouais, le demander. Ouais. Fait que là, ils finissent par réussir à faire ça pendant que l'autre est sur scène. Puis j'essaie d'y dire. Puis là, c'est comme genre le premier humoriste, l'autre, il présente le premier humoriste, que c'est un open micer, fait qu'il sait pas comment gérer ça. Il fait juste faire son texte puis essayer de pas décrocher de ça. Puis là, je fais tabarnak, man. Hey, moi, j'ai une demi-heure à faire, dans pas trop long, là. Fait que j'essaie de faire en ça, puis je fais comme, hey, tu sais, quand tu vas rembarquer, essaye de faire dire au monde de s'avancer, d'arrêter de parler, hey, c'est dur. Puis tu essaies de faire comprendre, d'éduquer un peu le monde. J'essaie de le faire, mais le gars, il sait pas. Il sait pas. C'est pas de ouais. sa faute. Il a pas d'expérience vraiment. Oui, oui. Puis, fait que là, je regarde aller, puis là, fait que là, c'est le deuxième Maurice pendant que je dis ça. Puis là, le troisième Maurice monte. Puis là, je fais, ah, bon, ben, il va falloir que je deal avec ça. Il y a au moins, honnêtement, 80 personnes. Il y a 40 personnes qui écoutent vraiment le show. Oh, ouais. Ça leur fait calissement chier que les autres parlent. Puis les autres 40, est-ce ils chient, là? Tu sais, genre, ils parlent, puis ils s'en calissent, est-ce ils s'en foutent bien raide, là, tu sais. Puis, fait que là, c'est mon tour de monter. Puis moi, j'avais écouté les conversations de ceux qui parlaient. Oh! Ceux qui ont jamais écouté oh! le show, tu sais. Fait que là, à seconde, j'embarque. Je fais de un, hey, gars, on se le cachera pas. Il y a beaucoup de monde qui parle à soir. Puis je veux juste prendre extrêmement le temps de bravo aux humoristes, bravo à tous ceux qui écoutent en ce moment, toutes vous en avant. Fait que là, je me mets le monde qui écoute avec moi. Là, ils sont avec moi. Puis quand je sens qu'ils sont avec moi, je pense que j'ai fait 2-3 gags, tu sais, de crowd work. Puis quand je sens qu'ils sont avec moi, gros, je commence à pogner une gang de filles saoules dans le fond que j'écoutais qu'est-ce qu'ils disaient eux autres. Oh, wow. Puis je fais, hey, les filles en arrière, puis j'y pointe, là. Je fais, eux autres, honnêtement, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de parler. Puis ils sont contre-calistes. La preuve, je parle d'eux autres en ce moment. Tout le monde les regarde. Puis ils ne me regardent même pas en train de parler d'eux autres parce qu'ils continuent encore de parler. Puis moi, j'étais là, depuis tout à l'heure. Moi, depuis tout à l'heure, j'écoute le show. Puis ils font « Aïe, aïe, Tommy, je sais pas si je devrais aller le voir parce que, en même temps, tu sais, il était peut-être avec une de mes meilleures amies. Pis, mais tu sais, je sais, j'ai rasé mes jambes. J'aimerais vraiment ça y aller. » Puis c'était pas tout vrai qu'est-ce qu'il disait. J'essaie de rajouter des punchs là-dedans. Puis le monde... C'est clair. Ah ouais, il était en délire, là. J'étais vraiment le premier qui prenait le temps de le coller et d'aplomb, là. Je sais que l'expérience paraît aussi. Puis là, qu'est-ce que ça faisait? C'est que le monde faisait, hey, on a le droit d'aimer le show, on a le droit de vouloir avoir un show. Fait que là, ceux qui écoutaient leur disaient, chut, chut. Puis là, ils ont commencé à catcher, ah, on n'est pas. Oh, on peut pas parler ici. Fait que là, on y a arrêté. Puis quand ils ont arrêté, pas mal tout le monde a arrêté.
Fait que là, je commençais avec des gags déjà rodés, tu sais, l'affaire du frisbee, des moves, des... où est-ce que c'est super drôle. Puis là, tout le monde embarque. Là, j'ai toutes les 80 quasiment. Puis là, m'amener, t'as le style barman qui commence à parler. Puis là, c'est lui qui dérange. Puis je fais tabarnak. T'es barman. Tu fais partie du personnel, le style coulisse. T'es payé pour que le show soit bon. Puis tu déranges tout le monde, sacrement, t'es supposé donner l'exemple. Esti, t'as de marde, ferme ta colisse de gueule. Oh, tu es dessus? Oh, ouais. Sacrement, j'y avais parlé pour les hosties de lumière. Ils catchaient, esti, qu'est-ce que j'essayais de faire. Ouais. Moi, j'étais en train de pogner patience, là. Man. Fait que là, le monde rit. Puis là, le gars, il est comme un peu mal, esti, il sent mal. Puis je suis comme, oui, c'est toi, je parle. L'esti de barman, tabarnak. C'est malade. Fait que là, le gars, il a farmé sa gueule. Puis m'emmener, c'est qu'il y avait. Parce que là, le show commençait à mener tard. Il y avait encore plus de monde qui arrivait. Puis là, c'était tout le temps du monde à chaque fois. Tu sais, une fois que je réussissais à convertir un groupe de pas parler puis d'écouter le show puis que j'étais drôle, il y avait deux autres groupes qui rentraient de 5 personnes. Fait que là, m'emmener, j'ai fait. Hey, j'ai même pas fait mon temps au complet. Je pense que j'étais supposé faire une demi-heure, j'ai fait 25 minutes. Puis j'ai. À m'emmener, j'ai fait. Hey, guys, vous êtes vraiment le fun. J'ai crissement eu du fun. Vous étiez crissement cool, mais je vais arrêter parce que je suis même plus capable de faire le show. Puis là, j'ai fait. Gars, je vais vous laisser sur une dernière blague qui est très trash, mais très drôle. Tu sais, si t'as aimé que j'ai fait, tu sais. Fait que là, le monde rit, puis je fais. Hey, merci tout le monde. Puis j'ai même pas arrêté pour saluer des mains. J'ai tout de suite rentré dans la loge. J'ai attendu mon chèque. Puis j'ai parti. Ça m'insultait trop. J'étais... Puis c'est plate parce qu'il y en avait qui m'écoutaient. Puis j'aurais dû rester pour que ceux qui m'ont écouté, qu'on aille du fun. Mais j'avais comme un peu honte que si quelqu'un fait comme « Ben là, hey! » Je voulais pas de ça. Quelqu'un fait comme « Ben là, on a un peu parlé, puis en même temps, t'es dans un bar. Il faut que tu fasses avec le fait qu'il y en a qui vont parler. » Puis genre, honnêtement, je les aurais poignardés. Je voulais pas vivre ça. Mais je pense que le monde, ils l'ont catché, puis ils étaient capables de voir que c'était quand même très insultant pour moi. Clairement. T'as commencé en le pointant aussi, fait que je veux pas qu'ils comprennent. Ouais. All right. Bon, ben, je pense qu'on va finir là-dessus. T'as-tu des trucs à plugger, mon Jer? Des tunes à plugger? Des tunes, ouais. Des tunes. Genre... honnêtement, non, j'en ai vraiment beaucoup. Des tunes de Green Day, le genou de quoi? Non. De Blue Stones sont vraiment calissement bons. Écoutez, ça, c'est vraiment... Non, j'ai dit des trucs à plugger. Ah, des trucs! Ah, OK. Tu comprends des tunes? Non, mais je les ai, là, mais... Mais de Blue Stones, c'est la barre. Honnêtement, ouais. C'est quoi, man? Je pense que c'est Black Pistol Fire, c'est calissement bon. Ouais. Une autre affaire que j'ai écouté, man, qui est vraiment bon, c'est un site. Il y a personne qui écoute ça, honnêtement, vraiment personne. C'est John Cottage, une affaire de même. Je connais pas. C'est vraiment bon. La tune, c'est comme Letter U, comme lettre U. Puis l'autre, c'est Not Around. Deux tunes tristement bonnes. Ouais. Ou Revel Sons aussi, c'est bon. C'est du blues, rock'n'roll. Ouais, genre du country rock, mais pas country rock, c'est du folk rock. Non, mais rock, c'est comme weird un peu, mais c'est très, très bon. Ça mélange la musique traditionnelle puis, avec du rock. Si vous avez écouté le film de A Star Is Born avec Lady Gaga puis Bradley Cooper, ils ont sorti un album de ça, puis Bradley Cooper, il a vraiment produit de la musique très rock'n'roll là-dedans. Ouais. Ah ouais. Une tune, c'est Ali B, qui est vraiment bonne, avec... Malik Shahid. My Time Is Out, une affaire de même, je m'en souviens plus trop. Il est cuisinier pour Bradley Cooper. Puis il y a une toune, c'est Black Eyes, est-ce qu'elle est vraiment malade. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai à plugger? C'est mon show Club Soda. Oui. 22 octobre, ça va être calissement nice. Il va y avoir beaucoup d'humoristes invités. C'est à quelle heure? Les portes ouvrent à 7, mais le show, il est à 8h30. Sûr et certain, Jacob va être là. Sûr et certain, Mike va être là aussi. C'est ça, tu sais. Mike est supposé être là. Roof aussi.
Il y a peut-être même une. Ah, tu as plusieurs premières parties? Ouais. Il y a peut-être aussi Billy Karaoke qui va. Nice. Ouais, il y avait supposé aussi Mike Patterson qui vient. Mais finalement, il y a un autre show ailleurs, fait qu'il ne pourra pas être là. Mais j'essaie justement de. Que ça soit pas un show, mais un événement, là. Que, genre. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça avoir Julien Bernatchez ou les Pigbois, mais tu sais, vu que Mike, il les a déjà invités sur ses propres shows à lui, j'essaierai pas de faire pareil, mais peut-être même mon père pourrait venir me roaster. Fait que. Ça serait drôle parce que mon père, c'est un roaster. Mon père, il m'a déjà fait un roast dans un show privé. Jérémy, il se lave pas le cul. Mais c'est un. Il m'a déjà volé pour de la drogue. Mais il fait des conférences. Fait que, tu sais, genre. C'est pas drôle, c'est juste. C'est intéressant. Fait qu'il faudrait, genre, qu'un auteur. Il est prof, anyway, je pense. Ça. Mais, tu sais, il est habitué de parler devant le monde. Peut-être pas devant 500 cool, personnes. Hein. Mais tu sais, I guess, une année, ça finit par. Je pense, parce que ce que j'ai entendu, genre, c'est que plus que moi, moins c'est gênant parce que juste ça devient une mort. Mais. Ben, ça reste stressant quand même un peu. Ça, un c'est. Peu, ouais, non, c'est... Ça, c'est quand t'es humoriste. Mais. Ben, quand même t'es... musicien, là, ce que j'ai entendu. Ouais, non, mais je veux dire, quand t'es artiste, mais genre, quand t'es. Personne, puis sorry, Père, là, mais quand tu fais pas ça dans la vie, ben. C'est ça ou rien. Il enseigne à des jeunes. Moi, je fais rire. Va chier, pas. Je parle au mien, là. Sinon, il y a du Zoufers. Je vais refaire mon show Blackout pour une dernière fois. Tu te rappelles-tu de la date? C'est le 12, 14, 15, 18 juillet à 10h. Aux catacombes. Allez voir ça, super bon spectacle. Allemand, si on l'a jamais vu, en fait, autant que le club sur deux, l'autre, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Fait que je peux pas le vendre longtemps. T'as pas vu plus pour longtemps? Non, mais tu m'as c'est invité, vrai, je t'ai mais... donné plein de billets, tu ne les as jamais vus. Non, mais je suis venu voir deux fois Blackout, par exemple. Ouais. Mais cette journée-là, c'est parce que genre ça donnait pas, je pense. Ça commençait à telle heure. Ouais, puis t'as distancé à la dernière minute aussi. Là. Ouais, non, mais c'est pas grave. Anyway, là, c'était même pas une question de ça. C'est que je finissais trop tard de travailler avec le trafic et tout. J'aurais pas pu être là à temps. Ouais, c'est ça. Mais je vais venir te voir au club sur deux, par exemple. Ah ouais, man. Puis j'invite tout le monde à faire ça, Jerry. C'est super bon, c'est ça, tu voulais jamais vu. Absolument. Si tu l'as mis en podcast, il est fucking plus tard. Il est sur scène. Pas que t'es pas bon en podcast, mais en ce temps, c'est juste. Non, tu l'as dit, man. On s'en va faire des brochettes de gala. Oh yes, sir, des brochettes de tofu pour Jerry. Puis bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Youpi!